tous ensemble malgré tout ce qu'on a traversé. Même si ce sont pas les mêmes dieux qui nous ont créés, nous partageons la même histoire, les mêmes batailles. Et au final, nos différences sont qu'un détail. Oui, nos dieux ne sont plus là. Pendant les failles, aïe, contre amalgame, on s'est promis d'être là. Un pour tous et tous pour un dans le combat. On est une famille, oh, oh. Manapish, Manawatu, Kiba, on est bien plus fort, oh. On est une famille, yeah. Une seule tribu pour tonton E-Dog et pour papa Binoc. On est une famille, oh, 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 oh. Manapish, Manawatu, Kiba, on est bien plus fort, oh. Une famille, yeah, 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 yeah. Une seule tribu pour tonton E-Dog et pour papa Binoc. Papa Binoc. Nous sommes les Manapish, charmés des océans, création du dieu Binoc. Crie à son image, nous respirons sous l'eau, on est des Manapish, Mastoc. Toki et Manarol, personne ne nous provoque, ensemble rien ne nous vaincra. Racaille des océans, terreur du continent, on est des Manapish, Kaya. On est des Manapish, Kaya. Au village Mana, fleurissent Hachem et Bart. Trois fiches pas très discrets, le début de la racaille. L'Ometa et Ral, soyez moins cruel. Wesh ne mèche, wesh t'es quoi, vas-y prends mon sel. Mais vas-y calme tes ardeurs, regarde ce qu'on t'a mis. Tu te prends pour un grand spec, mais t'es qu'un poisson frit. Les plus gros poissons sont à nos côtés. Toi voilà ce que t'es. Un poisson pané, ouh. Reste dans ton sol, t'as pas de répartie. On te regarde de haut et t'es tout petit. Si t'es au bord du gouffre, vas-y, saute. Et si jamais tu traites, c'est pas de notre faute. Nous sommes les Manapish, charmés des océans, création du jeu à Binoc. Créé à son image, nous respirons sous l'eau, on est des Manapish, Mastoc. Toki et Manarol, personne ne nous provoque, ensemble rien ne nous vaincra. Racaille des océans, terreur du continent, on est des Manapish, Kaya. On est des Manapish, Kaya. Enfants de la mer, peuple toujours aussi fier. Toutes les écailles à l'air, super autoritaire. T'es la grande cristaux, ton grand gaspacho. Vos branchettes sacrées pour notre fourneau. Bidou de champignons, habillé de feuillage. Se prend pour un poisson, le roi du marécage. Marcher dans le désert, on finit grillé. Un bon indice 50, et le tour est joué. Sous l'océan, on fait pas gaffe à l'heure. Les chefs ni maths, on les a tous triqués. En retard même lors du grand finish. Et si jamais ça te plaît pas, bah nique ton fiche. Nous sommes les Manapish, charmés des océans, création du jeu à Binoc. Créé à son image, nous respirons sous l'eau, on est des Manapish, Mastoc. Toki et Manarol, personne ne nous provoque, ensemble rien ne nous vaincra. Racaille des océans, pierre du continent, on est des Manapish, Kaya. Yeah. Des tocs verts et lumière sacrée, vers terre et tocs créés, dans la montagne émergée, sur un territoire submergé, le plus grand pic, vers terre s'y pique, ouais. Oublie ça, Rakaïmana. Nous sommes les Manapish, charmés des océans, création du jeu à Binoc. Créé à son image, nous respirons sous l'eau, on est les Manapish, Mastoc. Toki et Manarol, personne ne nous provoque, ensemble rien ne nous vaincra. Racaille des océans, terreur du continent, on est les Manapish, Kaya. Écoute mon histoire. Ça parle de Manapish,
Nelwyn et Niklos. Ah, c'est mes copains. Let's go. Il était une fois dans le monde d'Abinok, de petit Manawak devenu Mana. Fish, 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 baby, baby, baby. Fish, 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 baby, baby, baby. Ils étaient timides et ne se voyaient même pas. Salut mon pote. Et maintenant, lui a pas plu. Et j'étais appelé comme un criminel. À un moment donné, le respect. Salut, on attaque direct parce qu'on est en roleplay, on commence. J'étais avec moi du quoi, normal. En tout cas, du coup, ce soir, normalement, on va passer une bonne petite soirée. Et c'est parti. Tyler est encore en train de ronchonner. Comme d'habitude. Ouais, ça aurait pu être pire. Tu as Tyler ? Oui. Il y a mes petits copains dans la tête, ils arrêtent pas de dire que t'es tout le temps en train de ronchonner. Là. Les petits copains dans ta tête ? Ouais. J'y arrête pas tout seul dans ta tête. Schizo, mec ? Ça va, Niklos ? C'est schizo. Maintenant, je suis pas schizo. Je sais que c'est pas bien bon d'avoir des amis. Non, mais tu m'as compris, quoi. Mes petits copains qui regardent la même chose que moi, toi, tu vois ce que je veux dire ? Non, ouais, j'ai capté. T'as capté, c'est bon ? Ok. Ouais, ouais. Mais je vais quand même appeler les amis, je pense que t'as des problèmes. Ah, bah, je veux bien que t'appelles la petite dame là. Non, j'ai pas son numéro en fait. Ah, bordel. Ah, vas-y, je te la nettoie. Attends, c'est pas fini. Oula, oh, c'est que le début. Vas-y, change les pneus aussi. Change les pneus. Mérite qu'on lui change les pneus lui aussi. La totale. Putain, bon, elle est pas bonne. Dixon, on change les pneus aussi. Je veux changer les pneus, il mérite la totale. Les trois trucs. Oh, les pneus flemmes, c'est lourd. Je sais bien, mais bon, moi qui m'ont casqué là, il mérite là. J'ai déjà fait casquer l'autre. Lui, il casquer l'autre déjà Bah ouais, lui, il va lui mettre une totale aussi. Vas-y, 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 ça part. Vous avez pas vu le boss là? Bah, de toute façon, le boss il m'aurait vu, je pense qu'il m'aurait viré. Je pense que oui. Après ça y a passé, mais bon, tranquille. De toute façon, le boss il me connaît, hein. S'il y a quelqu'un qui vient moi de travers. Arrête de taguer leur voiture. Sinon, parle-en au boss. Hein. Non. Si, mais je vais dire au boss. Mais gros, il me reste 2 tonnes de roses. Il faut bien que je le passe quelque part. Hein. C'est vrai. Et il y a pas. Sois discret, sois discret. Bah ouais, tu es discret, pas. Les portes sont fermées. Okay. Je crois que le boss il a dit qu'il devait regarder un truc ce soir à la télé. Oh putain. Il a parlé d'un truc blanc, c'est pas quoi là. Une liste blanche, un truc dans le genre. Non, ça, on a rendez-vous avec le. Bah, c'est pas, hein, j'entends parler de ça tout à l'heure. Ah ouais. C'est ce soir qu'on fait les votes aussi. Ouais, je pense. Alors, là, c'est bon. On va s'en dévoiler, on sort. Allez. C'est... T'es sympa ou pas avec toi? Oh, ça va, ça va. Il dit qu'il y avait peine de guignol à arrêter. Mais... Il va me défoncer ça. Je vais te foutre un coup de chiffon. Vas-y, chiffonne. Si tu veux, moi, là, j'ai changé les vitres. Donc, si tu veux, tu mets un grand coup de clé à molette, ça te détendra. Non, tranquille. J'ai un point américain pour Elijah. Pourquoi vous donnez ça à Elijah? Il va se blesser. Non, mais c'est mon point qui vient dans sa gueule avec le point américain sur mon point. Tu veux lui mettre un point dans la gueule, Elijah? Parce qu'il a voulu se battre tout à l'heure, j'ai dit d'accord. Il a rien respecté. Et t'es américaine, toi, de base, non? Oui. Les points, c'est pas déjà des points américains? Oui, bah regarde, là, c'est un point très américain maintenant. C'est quoi le call radio? C'est 819 hein, je sais pas, j'ai pas pris de radio, c'est vrai que le boss il veut que j'en prenne une. Ça me fait justement merde ça aussi. Hein. Je crois que c'est 819 non hein. En même temps. Ouais, c'est ça. Close prend du service du monde à la radio. Personne. Oh
Bonne soirée, collègue. Ouais, il y a des gens, on est en train de faire du fer de notre côté. Merci pour la réponse tardive, mais merci quand même. Bonsoir, monsieur l'agent. Ouais, bonsoir. Vous allez bien? Bah, ça va, et vous? Ouais, tranquille. Il y a du monde, apparemment, c'est un peu le bordel ce soir. Hein. Bah, comme d'habitude. Ouais, vous allez bien, sachant. Il y a plein de brawlers partout. Je sais pas, j'ai pas la radio. Ah, tu l'as pas pris? J'ai les mains dedans, là. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, c'est un nouveau truc, c'est que le capot fermé, tu vois, il s'est refermé sur mes doigts, mais en fait, j'ai encore dessous, ça marche. Bah attends, je vais t'aider à le relever. Tu veux qu'on le relève, le capot? Non, mais je suis coincé là, donc j'ai les doigts dessous, je finis, et puis on verra après. Hein. Ouais, il te reste quoi, sans aller faire arrière? Bah attends, par contre, il faudra que tu m'ouvres le capot quand j'ai fini, parce que je vais pas pouvoir le... Vas-y, rentre dans la voiture, hein. Ouais, mais je sais pas si tu veux. Si, t'inquiète. C'est quoi la fréquence radio? Elle était prête pour ouvrir le capot? Ouais. Allez, ouvre le capot. Allez, nickel, merci. C'est bon. Mais je crois qu'il va falloir que tu la rediag. Non. Ah si. Si. Ou alors faut que ce soit moi qui le fasse, mais il va falloir que tu remontes. Donc il y en a un des deux qui rediag, ouais. Par contre, j'ouvrirai pas ma gueule sur la radio, les gens d'avoir eu ça me gonfle. Ah, Tyler, tu m'entends la radio? Je vais te frapper. Dixon pour Tyler. J'ai reposé la radio, ça m'a déjà gonflé. Le bordel. Ah, ça va, non. Ah, c'est bon, Tyler. Vous l'avez déjà trop utilisé à mon goût. Ah, vous en sentez avec mon véhicule? Ça a l'air compliqué, ouais. Là. Ouais, faisais un petit test moteur là pour voir si tout se passait bien, mais je crois que c'est bon là. Ok. Hop. Après, on est des professionnels, monsieur. Ça va, vous chargeant? Ouais, je vous demande, c'est jamais. Ouais, tranquille, ça va. Est-ce que vous êtes aussi grave ce soir que vos collègues? Comment ça? Moi, je sais pas, je suis un criminel. Ils ont voulu m'embarquer pour outrage. Bah, vous avez dit quoi? Ils étaient pas chez leur mère. Hein. Bah, ils ont raison, moi je vous aurais embarqué. Moi aussi. Failli, moi je leur ai mis les belotes, je leur ai embarqué direct sur le champ. Ouais. Ça, c'est clair. C'est clair, attendez. Calmos quand même. Quoi Calmos? Tyler, il y a tes copains là-bas. Il y a mes copains. Ah, il y a des mecs à réparer. Oui, il n'y a pas eux. Tyler, va les faire, vas-y, viens Tyler. Oui, c'est bien. Ah, bonsoir, monsieur Edouard. Ah. C'est Niklos. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Ah bah toujours. Oh, vous avez pas pu vous garer sur votre place? Il y a Tyler qui s'est garé là-bas. Oh, pas de soucis, c'est dommage. Ouais, c'est quand même super dommage. Hein. Bon, y a pas de soucis Tyler. Hein. Y en a d'autres. Vous avez besoin d'un petit réparation? Oui, c'est ça, oui. Ok, bah, je m'en occupe. Et il est là, le patron? Non, le boss, il est pas là. Woody, il est pas là. Pareil, moi. D'accord. Ouais. Je pense qu'il est encore au unicorn, comme d'habitude. Bon, pas dégueu ça. Ouais, joli. Ce serait dommage de la faire tomber. Ah bon. Bon, c'est quand même notre place d'habitude ça. T'as ton pote là-bas, il est accroupi contre ta moto, c'est parce qu'il voit. Attention. Le journal, tu touches une seule fois ma moto, je t'étale. T'as raconté.
ramasser les voitures ou... Ah bah sans moi. Après c'est un coup les casser les voitures. Ça. Allez hop, c'est bon. C'est pas une bonne idée. Ça vous fait du business. C'est ça. Ouais mais bon ça me fait mal au cœur. Je paye du coup. Ouais. Ah, moi ça me fait mal au cul de réparer ces merdes. Ah bon. Oh, tu te calmes, c'est la mienne. Emmett, okay. Du coup. Emmett, facture. Ça. Les Asbos, bah, j'en ai une. Ah, moi aussi, j'en ai une. Ah, bah, tout le monde en a une. Il y a eu des promotions, non? Bon, j'avoue, c'est des merdes. Ouais. Bah, on est d'accord. Et quand même, quoi, c'est une voiture. Hein. Non, c'est un moyen de déplacement. Un kit carrosserie, un kit moteur. Ah, ouais, ça, c'est un moyen de déplacement. Ah, d'accord, pas de soucis. Hop, et alors. Vélo, là-bas, c'est une voiture. Bah, Zano, tu vas pas te faire un peu prendre. Le quoi là-bas? Le vélo. J'espère que c'est pas moi auto que tu pointes. Et toi Nikos. Merci beaucoup. C'est gentil. Il a à peu près le même. Wow. Même couleur. À chaque fois je donne un petit quelque chose. Ouais, c'est, ah bah, c'est sympa, c'est sympa. Tout le monde fait pas. Merci beaucoup. Ouais, ouais bah j'essaie à chaque fois. Seule fois que j'oublie, bah, c'est quand j'ai pas assez. Merci beaucoup Emmett en tout cas. Bah pas de soucis. Ah je sais pas. Bon bah tout est vert, tu sais. Vert taupe, vert machin, mais je connais rien. On sait qu'il connaît rien. T'es dalmatien? Non, non, j'ai des lardins pour faire ça à ma place. Genre, du coup, tu connais pas les couleurs? Bah non. Le vert, c'est le vert, le rouge, c'est le rouge, et puis il y a quoi d'autre comme couleur? Le jaune, quoi, le violet. J'ai une question pour vous là, débile, journal, le patron là. Oui. Tu t'es fait casser la gueule combien de fois, on t'a dit? Bah, je sais pas, à chaque fois qu'on pose la question, il y en a beaucoup qui répondent pour moi, ils disent que pas assez. Vas-y, dis-moi le chiffre. Ah, je sais pas. A chaque fois que je me fais cogner, il y a comme un grand blackout. J'arrive jamais à les compter du coup. Ouais, c'est que ça doit pas être assez, effectivement. Mais t'as qu'à compter les blackouts, couillot. Ah, bah oui, mais si je mélange avec l'alcool et la coke, putain, j'ai plus assez de doigts, moi, après, comment je fais? Il branle quoi le match à watch de patron là? Je sais pas. De quoi? C'est match à watch. C'est ça, match à watch? Un machin wesh, non, c'est quoi ce langage? C'est une insulte, un machin wesh. Ah, c'est une insulte? Ah oui. Oh, je suis honoré. Que vous rigolez? Ouais. À très bien. Bon, du coup, on va vous laisser. On va aller voir. S'il y a quelqu'un d'autre, patron. Ah, très bien, oui. Ah, bah tiens, ouais. On va tourner un peu. Là, le boublou. Ah, tiens, Mardi qui m'appelle. Ah, super. Le quoi? Le boublou. Un peu de respect. Ah, mais il est con comme une mouette lui. Oh. Putain, il a un téléphone le boss, mais on se demande à quoi il sert des fois. Allô? Oui. Mais bon, on s'y fait. Il y en a des nouveaux larbins. Ah, moi je m'y fais pas. Moi non plus. Quoi, le camion avec les oreilles de chat là bon, on va dire qu'il est pas foncièrement méchant. Il connaît pas con. Limite, quoi. Non, il connaît pas con. Il connaît pas les couleurs non plus en plus. Ouais, mais quoi, il a manqué un du coup, méchant. Il s'est perdu. Mais bon, je suis en mélodie. C'est la meuf Fatixon. C'est la meuf Fatixon. J'ai encore une vente de deux semaines, ça m'étonne. D'ailleurs, c'est la meuf Fatixon. On est bien d'accord. Je sais pas. Emmett, c'est quoi le nom des nouveaux? Je la vois pas. Bonjour. Ido, quel beau cigare. Vous allez bien? Bah oui, ça va et vous? Ça va très bien, ça va très bien. Qu'est-ce qui vous arrive, ma petite dame? Bah j'ai un bruit dans le moteur, quand j'accélère et que je relâche le... Oh, bah Dixon, il va s'occuper de vous, vous inquiétez. Bah ouais, Dixon, il va s'occuper. Oh collègue, va passer ton coup de fil plus loin, gros. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est encore monsieur Edouard, oh là là. Ah, mais ça va quand même, non, c'est une discussion privée, là. Vous voulez pas m'entendre, vous allez plus loin. Non, c'est toi qui va plus loin. Bonsoir les garçons, bonsoir les maîtres. Ouais, c'est pire. Comment ça va, oui, madame. Comme j'ai dit, oui, dans un autre monde. Oui. Salut, madame. J'ai l'impression que t'en as marre, Emmett. T'as juste une impression ou... Ah, bah, disons qu'il est pas correct, ton patron. Je ramasse ses conneries, oui, donc oui. D'accord. Je pense qu'on en aura marre. Moi, mais tout à l'heure, je lui ai dit que vous aviez besoin de considération, que vous n'étiez pas des larpins. Oui. Mais bon. Et Tiller ? Répète ça ! Oui, j'ai ma petite... Répète mon prénom une mauvaise... Répète mon prénom encore ! Tiller. Non, Tyler. Tyler, d'accord. Oui, comme la bouffe Thaï avec l'heure derrière. Voilà, c'est ça. Faut manger Thaï mais à l'heure, quoi, tu vois. Je vais tous vous fumer. Bon,
Bon, et oui, et j'ai Marnie au téléphone, elle te fait un gros bisou. Tyler, pour Nicolas. Bon, dis donc, bon, il a dit des Tyler, choses comme ça. Vous y allez fort de café quand même là. Quand non, même. Il aime pas. Merci, il est vénère, non, mais il est vénère, Tyler. Parce qu'il a l'enculé. Ouais, je te préviens, tu réalises encore ta radio une fois pour m'appeler lorsque je suis à côté de toi, je la pose. Ok, ok, c'est bon. Bon, dis donc, c'est une ambiance un peu délétère ici, non? Bon, c'est parce que les journalistes sont là. Mais c'est la pique. Mais mec, il a rien fait, le pauvre, il subit son patron, lui. Ça, c'est la même chose. Oh bon, ah, super. Bon, bah, moi, bah, écoutez, bonne soirée à vous, on va y aller. Mais au UU, je vous aime bien. Bonne soirée, beaucoup. Bonne soirée à vous. Jamais de problème avec le UU. Y'a Marnie qui arrive. Ah bah mais non, y'a pas de soucis avec le UU, j'ai jamais de problème, toujours des solutions. Comment vous dites déjà? Le UU. Bah, c'est pas si vous dites s'il vous plaît, peut-être vous le ferez. S'il vous plaît. Bonjour, messieurs, bienvenue au UU. Ah, c'est génial, j'aime bien l'accueil comme ça. Ah bah, écoutez. On fait ce qu'on peut, hein. On aime la clientèle, on respecte les clients. Ah bah oui, ça doit fidéliser. Ah bah ça, il faut bien. Hein. Mais bon, je pense que c'est surtout la qualité des pizzas hein, qui les fidélise. Et ils se barrent comme ça. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oh, figure de poupe, tu dis au revoir, non? Oh, j'aime pas dire du mal des gens. Tu vois, y'a pas que moi qui fais que de gueuler, Niklos. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Tyler? Qu'est-ce qu'il fait? Il touche à ma moto, je le déglingue. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il touche. Je te préviens, Niklos, prépare-toi à me virer parce qu'il touche à ma moto, je le déglingue. C'est laquelle votre moto, M. Tyler? C'est celle qui garait là-bas. J'ai regardé. Et Madame Wouhou, Madame Wouhou. Et regardez ce que j'ai trouvé. J'ai un message du boss là. Oui. Et à mon avis, il est pas là avant 1h, 1h30. Mais bah la réunion sera demain parce que moi 1h30 je dormirai. Ah bon, bah, non mais pas 1h30 du matin, dans 1h, 1h30. C'était quoi? Ah je peux encore être là, ouais. Ah oui. Quoi la surprise quand je passerai tout à l'heure? Ça va, ça fait plaisir, vous montrerez ça. Très bien, bon bisous à Sean. Moi je préfère prévenir, il touche à ma moto encore une fois, je le déglingue. Il monte ma moto encore du doigt encore une fois, je le déglingue. Il regarde ma moto de mal encore une fois, je le déglingue. Oh tu sais, je regarde pas mal hein, pour le coup. Bah oui, c'est joli. Et du coup, c'est quoi les situations où tu le déglingues? Aucune. Qu'est-ce qu'il y a sa moto? Je vais le déglinguer. Bouge de là, c'est pas la tienne. Bah je sais que c'est pas la mienne, j'ai des meilleurs goûts. Oui, c'est bien. Ouais, quoi, c'est jeune sur la fréquence là. Ouais, alors le verre, ah, c'était là, on est là, on est là, on est là. Ah bon? Moi aussi, je suis là, c'est ça. Les gars, tout le monde sait utiliser l'intranet du coup? Affirmatif. Ouais, le truc de la compta, c'est mon pote, il a fait. Si vous avez des questions, venez me voir, je transmettrai. Hein. Oh, qu'est-ce que tu veux? Tu pues avec ta clope, toi, gros, casse-toi là. Ça va, on est dehors. Attends, j'ai mon cigare aussi, ça te dérange pas le cigare? Ah, mais vous puez tous les deux, gros, je me casse. Ah, bon, il y a en place un nouveau logiciel là. C'est pour comptabiliser. C'est le bazar. Ah bon? Je suis pas très bon avec les chiffres, moi. En dessous de 6-0, j'arrive pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais bon, je comprends tout à fait, quoi. Ouais, dis-moi, entre fumeurs, là, t'as pas un truc un peu plus épicé à nous mettre dans la bouche? Bah, tu sais que j'en cherche un peu, mais j'arrive pas en trouver. Putain, mais c'est la merde dans cette ville, là, qu'est-ce qui se passe? J'en cherche aussi, mais j'arrive pas à en trouver. Ah, j'arrive pas à avoir une seule bonne idée, là. T'as pas de plan? T'arrives pas à avoir de plan? Bah non. Je sais pas, il est chinois, apparemment, en ville. Ouais, voilà, dis pas ça, apparemment ils sont pas chinois, ils sont nord-coréens. Bon bah, nord-coréens en ville, là, apparemment ils auraient des trucs. Ouais, les grillades. Bah, je sais pas, la dernière fois que j'aurais dit ça, ça leur a pas plu, ils ont tué mon garde du corps. Ouais, mais m'étonne. C'est la triade. Ah bon, la triade. Ouais, comme le trio Mino, là, le truc à la télé. Non, c'est pas ça. Ouais. Eh bon, bah, je sais pas, bah, apparemment, il m'aime pas assez là pour m'en donner. Apparemment, je suis un snob, je sais pas quoi. Ah. Ouais, pourtant, je leur ai filé du fric et tout. Rien à faire. Voilà, il y a votre collègue qui arrive. Ah oui, c'est Marnie, tiens. Elle est avec vous, monsieur Edouard, hein, hein? Bah, bien sûr, c'est mon bras droit. Non, vous voyez ce que je veux dire? Bah, y'a où? Ah, bah, non, il manquerait plus que ça. C'est vrai, quoi. Le travail, c'est le travail, je suis quelqu'un de sérieux, moi, quand même. Vous savez s'il y a quelqu'un dans sa vie? Ouais, t'as qu'à lui demander, ouais. Ouais, je pense que c'est une question. Bah, elle est comme moi, on a tous quelqu'un. Moi, c'est la coke, elle, c'est l'alcool. Ouais, à chacun son partenaire de soirée. C'est ça.
Le patron, il est bien le ou pas où Ah, comment ça s'appelle? Le bar là où il y a toutes les bouteilles là. Ah, les, la grosse licorne. Ouais, c'est la grosse licorne, ouais. Elle, oui, la grosse corne, oui, oui. Ouais, bah c'est fermé. Non, c'est pas fermé, c'est ouvert de temps en temps, pardon. Ah bon, c'est ouvert de temps en temps. De temps en temps, c'est ouvert. Et lui, il a les bons plans. À chaque fois que c'est ouvert, il reçoit un message et il y va. Ouais, bah d'habitude, c'est le club qui vient chez moi et pas l'inverse. Oh, ça salut, Marie. Ça va bien et toi? Et bonsoir. Bonsoir. Les gars, il y a quelqu'un à côté de la station service. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il traîne là. Il fait peut-être le plein. Pas sûr. Il était pas en train de faire le plein. Ah bon, bah peut-être qu'il pissait sur la pompe. La dernière fois, c'est ce qui s'est passé quoi. Pas terrible ça. Bah, oui. Il y en a un qui a pissé dans sa bagnole, hein, dans les erreurs de sa bagnole, et puis bah, la bagnole roulait pas. Et pour 12 000 balles de travaux, bah, le patron il a récupéré une bagnole. Il pouvait pas payer. Eh Marnie. Oui, patron. T'as quelqu'un dans ta vie, il voulait savoir le monsieur là. Qui ça? Ouais. Bah lui là, parce qu'on était il m'a demandé si on était ensemble. Bah, je posais la question, hein, tout bien tout honneur. Ah bah non, vous savez, Daddy, elle aimerait pas que je date n'importe qui, hein. Désolé patron, c'est pas pour vous, mais... Bah oui, non, je sais. C'est de quoi ça? C'est pas vraiment? Ah bah non, non, pas du tout. Bah non, ah non, c'était plutôt envers... Ah bah votre patron? Ah oui, d'accord. Ah bah oui, du coup... Mais non, on est pas ensemble. On s'entend bien, quoi, c'est tout. On partage des choses. Ah ouais. Oui, c'est ça, oui. On se fait des bisous par joint interposé, c'est tout. Bah oui, c'est ça. Ok, allez voir le truc de la station de service, du coup, ou pas? Ouais, le Tyler, il a l'air tendu, là. Tu lui as dit bonjour? Ouais, c'est, ah bah non, c'est fait, t'inquiète, c'est bon. Il est où? Ouais, il est tendu, le Tyler. Ah bah, je vais lui dire bonjour, ça va peut-être le détendre, hein. J'espère, en tout cas. Bah, je sais pas, le mec, il est reparti quand je suis arrivé. Il est moitié semblant de mettre de l'essence, je sais pas. Ah bah c'est dommage ça. Ah les belles ta moto Tyler. Hein. Merci. T'as vu c'est une moto neige. Je veux rien dire, vraiment je veux rien dire, je vais me retenir. Oui, t'inquiète pas. C'est parce que tu m'as dit non la chaîne à l'arrière, c'est pas pour ça. Non c'est pour le sable. Pour aller sur les dunes patron. Ah les dunes. Oui. Ouais c'est vrai que vous avez l'air un peu pincé, qu'est-ce qui vous arrive monsieur Tyler? Bah il a failli se faire embarquer par les flics. Voilà ce qu'il arrive. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous voir, hein, pourtant. Vous êtes un peu rayon de soleil. Et bah, c'est bien. Bah, c'est pas mutuel. Oh bah, c'est dommage. J'espère que ça changera. Hein. Bon, en tout cas, mademoiselle, c'est un rayon de soleil quand vous arrivez. Bon, c'est quoi ta passion dans la vie, mon petit merci beaucoup. Ma passion dans la vie? Ouais, à part de faire chier. Bah, il y en a aucune autre. Ah merde. Tu veux devenir chef? C'est exactement pour ça que je vous aime pas. Ah, Tyler, tu veux devenir chef? Ah, Tyler. Moi, j'aime bien quand tu nous fais chier. Ça marche. Ça marche. Mais c'est qui la demoiselle là? Je sais pas. Si je l'ai enregistré à insulte patronne McVader. Ah oui, alors attends, moi je crois que t'es à auto casse-couille. Nickel, je prends ça comme un compliment. Ah bah oui, j'aime bien qu'on me casse les couilles. Moi aussi j'adore les noms d'oiseaux. Et comme je suis la rédactrice en chef du Life sinon. Ça me fait une belle jambe. Ah mais c'est pas pour ça que je disais ça. Eh bah enchanté, madame la rédactrice en chef. Ouais, enchanté, c'est quoi votre petit nom? Moi c'est Dixon. Dixon, très bien. Ouais. Et vous Moi c'est Niklos, moi. Niklos, d'accord. Je suis pas sûr d'avoir vos numéros, je vais peut-être pour les pour ça, c'est ce que j'allais vous dire aussi. Ouais. Bah, je... T'es pas un garçon facile. Toi t'es déjà maqué, toi. Ah, y a pas de soucis, j'aime bien les défis. Et hey, Tyler, c'est quoi ton numéro à toi? Tu l'as déjà. Je t'écoute pour votre numéro, madame. Pourquoi tu m'appelles pas? Parce que je t'aime pas. Ah oui, ça c'est raisonnable. Ta première rencontre, t'as sorti une caméra dès qu'il y a les filles qui sont venues me voir. À un moment donné, c'est bon. Pourquoi? C'était pas bon pour ton image? Je m'en bats les couilles de mon image. Bah alors, pourquoi tu m'emmerdes? Pourquoi tu sors ta caméra? C'est quoi ton besoin de me filmer tout le temps en fait? Ou de me prendre en photo? C'est mon métier, enfin c'était, maintenant j'ai des larbins. C'est bien. Ils sont peut-être plus intelligents que toi. Ils sont peut-être plus intelligents que toi. Bah j'espère, ou que, pour ça. Ou que ta patronne, que ta copatronne qui floute la mauvaise personne. Oh madame, qui tire les mots là. Ah oui, bah, merci beaucoup. Bon, on va pas tarder. Je vous ai mis un petit coup de polish là. Ça tombe bien, faut que je lui parle à lui. Ramène ton cul, Isaac, faut que je te parle. Oh, Isaac. Isaac, il a fait de la merde.
Oulala. Ah toi t'es l'arbin de Tyler toi. Non, on n'a pas de l'arbin ici. Vraiment, il ça fait quoi Zachary comme bêtise? Si si t'as fait des conneries, on va tout raconter. Hein? Viens me dire. La prochaine fois, viens là, viens par là. La prochaine fois que tu... T'es où putain? La prochaine fois que tu braques une putain de supérette avec ta tablette de diagnostic, ta clé anglaise et tes kits moteurs, ta clé anglaise elle finit dans ton cul. Hein. Quoi? Quoi? T'as pas fait ça Zachary quand même? Mais comment... Mais... Tout se sait Zachary. Mais non mais je leur ai dit que c'était pas à moi qu'on me l'avait prêté. Oui, c'est Zachary, bien. La prochaine fois tu poses tout, j'en ai rien à foutre de ce que tu fais à l'extérieur. Mais tu poses tout. Hein. L'a dit, si. T'es pas chez ta mère, sors de là. T'as dit Zachary, ouais, bordel. Fais gaffe. T'es pas chez ta mère, sors de là. Bah ouais, mais je savais pas que je l'avais encore sur moi. Je croyais si, que j'avais si, si tu te... En fait, c'est si tu sors pas de service, tu l'as toujours sur toi. Ah ouais, putain. T'en déconnes. Un peu de respect, je rentre pas au live invader comme ça, moi. C'est qui, lui? C'est le patron du Life Invader. Patron du Life Invader. Ah ouais, c'est un connard lui. Oui, c'est un connard. Ah ouais, mais ok, ouais, y'a pas de problème. En fait, je croyais que je les avais plus, man. Oui, bah tu. C'est toi qui m'a pris, man. Comment t'as fait pour te faire choper, toi? Bah en fait, tu vois, genre. Faut que j'aille voir le médecin parce que, genre, des fois, j'ai mal de tête. Et à chaque fois, c'est toujours par ça. Mal de tête, c'est mort. Sinon, j'aurais pas de mal de tête, c'est terminé. Mais ouais, j'ai le seum. Et voilà, quand mais tu pars d'ici, coup, quand tu pars d'ici, que tu veux faire tes petites affaires, tu vois, bah tu fais une fin de service, tu vois, comme ça te reprendra. Ouais, y'a pas de problème, je regarderai bien avant pour être sûr. T'as étourné du premier. Mais Woody, bah bref, non, du coup, non. Mais Woody, il sait ou pas? Bah, il va le savoir, il ouais. Le sait, oui, il le sait. Et il le sait, ça y est. Putain, je suis dans la merde. Oui, t'es dans la merde. Bien sûr que si, bien sûr que oui, il le sait, je l'ai dit. Oh la merde, je suis mort. Bah oui, fallait peut-être. Prendre la fin de service avant de faire des conneries. Ou dit bah, l'a répété, je pense. Il l'a dit à tout le monde. Ouais. Bah écoute. Ah bah oui, les infos on les paye et puis on paye bien suivant les infos. Bah écoute, je laisse prendre mes oreilles des fois. Bah du coup, je veux bien votre téléphone. Ah oui, c'est 0700. Espèce de sarro. Ouais. 07 quoi, vous m'avez dit? 0700 0700. T'es encore là toi? Ok, merci beaucoup. Mais envoyez-moi un message. Bah oui, attends. C'est quoi votre joli prénom? Marnie. M-A-R-N-I-E. Je sais pas conduire non plus. Ah bah si, mais ouais, attends. Comme ça lire les mains sur le volant. Message. Merci. Et je t'ai mis un coup de polish sur le volant, gros. Ah bon? C'est les mêmes, mais oui. Que je te désinfecte, hein? Ah bah je préfère être à l'arrière, moi. Allez, si tu veux, gros, je te prends un pic dans l'atelier là-bas, là. Je te mets le volant et je te fais une extension, comme ça tu peux conduire de derrière. C'est pas un peu dangereux, ça? Bah, je sais pas, si peut t'arriver, tu te prends un mur, ça peut que te faire du bien, gros. Hein. Ah, tu penses? Ah, je suis convaincu. Dernière fois, ça m'a coûté une fortune quand je me suis bouffé un mur. Si ça t'a coûté une fortune et que t'es encore là, c'est que t'en avais une fortune, non? Bah oui. Ouais, tu sais. Bon, mais de quoi te plains-tu? Merci, c'est bien reçu. Ouais, bah, c'est plutôt, ça fait mal à la tête, hein, porter les bandages pendant 48 heures, là, bon. Ouais. Quoi, c'est trop lourd? Il va bientôt être l'heure du rendez-vous. Ah oui, l'heure du rendez-vous. Bon, ouais. C'est pas que je vous aime pas, mais monsieur les passionnés. Ah, on va vous laisser. À bientôt, ouais, ça roule. Journée. Et ciao, tête d'Andy. Ouais, bon courage à vous. Hein. Salut les BG. Non, mais c'est de la Colombe. De là N'hésitez pas. Hein. Et puis Tyler, change pas. Hein. À bientôt, oui, bah j'ai hâte de repasser. Je compte pas changer pour toi de toute façon. Bonne soirée, mademoiselle. Ouais, tant mieux. Bonne soirée, à bientôt. Allez, ciao. À bientôt. Et les gars, j'ai eu mon premier pourboire. Attends, moi aussi. Bien joué. T'as eu combien? Elle m'a fait 100 balles. C'est pareil. Pareil, moi aussi, ma fille 100 balles. Salut, collègue. Salut, gars. Salut. Faites les peintures pour les vélos? Non, encore. Non. On n'a pas encore. La machine, c'est bloqué à la douane. Elle va pas tarder. Okay. Ça bloqué les machines. Ouais. Ok, ok. Le pire, je crois que c'est les néons. Les néons, ils seraient prêts de venir, ils viennent de Chine. Donc. Oh putain, gros sérieux, on n'a pas les néons? Ah, ça viendra, ça viendra. Comment on va faire ça, Néo, en gros? Les couleurs viennent de France, c'est pareil. En ce moment, je sais pas ce qu'il a, Macron, là, il veut pas nous envoyer ce truc. Putain, pas de Néo, en gros. Qu'est-ce qu'il a fait, le collègue, là? Il avait l'air de pas être bien. C'est qui, Zachary? C'est Zachary, là, qui a les dreads de l'oc, hein? Ouais. Non, oui. Les 13 paquets? Ouais, c'est lui. Ouais. On n'en parlera pas devant le monsieur. Non. Juste pour savoir avant que je reparte, oui. Si j'organise des BMX X Urbex
ça vous intéresse de participer à l'occasion? C'est un petit collègue qui sera peut-être intéressé. Ouais, il y a, ouais. Moyen, il y a bien, peut-être, ouais. Royce qui sera chaud, ouais. Ouais, puis okay, il y a lui, okay. Aussi, je pense. Puis il y a un vélo. Ouais. Et donc, je passe, je fais le tour pour voir si ça intéresse des gens, et puis je ferai peut-être une annonce dans le live. Bah ça, ouais, c'était pas, ça se fait. Ça marche. Ok, bah bonne soirée, merci. Et bah merci, toi aussi, merci, au revoir, Mino. Voici Zach. Bien ou bien? Ouais, bien toi, man. Allez, vas-y. Bon, écoute, hein. Raconte la bêtise que t'as fait, Isaac. Non, j'ai rien fait, man. Qu'est-ce que t'as fait, Isaac? Et je m'en bats les couilles, gros. Comment on a fait les bêtises? Bon, vas-y, j'ai craqué une soupirée, j'avais encore mes outils. Isaac, pourquoi tu fais ça? Bah, en fait, j'ai oublié de les rendre. Non, mais c'était pour de la supérette. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai besoin d'oseille, man. Ouais, tu demandes au patron? Tu demandes au patron? Bah. Ouais, mais. Enfin, une avance, peut-être. Ouais. C'était gentil. Il fera peut-être une avance. Vas-y, t'as lui demandé. C'est pas. J'ose pas demander, quoi. Ah. Je préfère me débrouiller, t'as vu. Mais regarde, t'es pris une amende à te débrouiller tout seul. Oh putain, faut que j'aille la payer en parlant de ça. Ah bah voilà, tu vois. Et du coup, ça t'a coûté combien cette histoire? 500 dollars. Voilà. Refus d'obtempérer, mamie. En plus. Pour quelqu'un qui a besoin d'argent, ouais. Ça s'emballe, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Oh putain, je te jure. En plus, je suis même pas bénef parce que, ben, ils ont tout gardé. Ah ouais, c'est pour ça que je te dis. T'aurais demandé au patron. T'aurais prêté de l'argent, fois, tu vois. Deux, quoi. Voilà, quoi. Bah ouais. Une fois, pas deux. Hein. Parce que quand tu braques, tu fais quoi? Tu récupères quoi là-bas dedans? Tu récupères des sacs. Mais ouais. Dedans, il y a des billets. Mais les billets, ils sont traçables. C'est après, des billets tracés. Ben, moi, j'avais quelqu'un pour les racheter. D'accord. Mais du coup, comme je me suis fait péter, bah, j'ai supprimé le contact parce qu'on sait jamais. Ouais. Bah, fais attention à l'avenir. Ouais, mais attention, une fois, mais. Bah, pas alors, deux, évite, tu vois. Évite d'être en service et évite d'avoir des outils sur toi. Bah, ouais. Non, mais j'en ferai plus de conneries. La prochaine fois, t'as que l'anglais, je te le dis, finis dans ta gueule. Non, mais après, si et la bagnole, vois, Isaac, c'était ta bagnole à toi ou vous étiez sur une bagnole volée? Volée. Ah, parce que vous, en plus, vous étiez plusieurs, associations de criminels, malfaiteurs, tout ça. Non. Mais quoi? Ah, bordel. Quoi, bah, il s'y plaît, super, voilà mes potes. Allez, vas-y. Je l'ai fait. Ah, vas-y. Bon. C'est vrai que t'as bon relationnel avec Alex, toi. Bon, allez, on va aller aider les collègues à descendre leur métal. Eh, bonsoir. J'avoue, je vous allez bien? Bonsoir. Oh, monsieur. Ouais, parfait. Je répare votre voiture, du coup. Oui, s'il vous plaît, oui. Allez, ouais, rebonsoir. Vous allez bien, messieurs? Et rebonsoir. Ouais, très bien, ça va, c'est pas trop le bordel ce soir? Ça va, c'est la routine, on va dire. La routine? Ouais. Je vous aurais bien offert un café, mais la machine va chemin. Non, pas besoin de café, merci, ça excite. Okay, vous voulez que j'appelle le capitaine, du coup? Ouais. Oh, excuse-moi. On va dire que j'ai des soucis quand je vais dans les coffres. Ah, moi ça m'est arrivé tout à l'heure. Ah, ben moi, mais ça m'est jamais arrivé. Dans quel coffre? Dans les coffres des véhicules. Ah ouais. Ouais, ça vient de le faire trois fois d'affilée. Sur quel véhicule? Sur celui-là? Sur. N'importe, ça fait sur tous les véhicules. Moi, ça fait sur les véhicules. Moi, sur le mien, sur celui-là, trois fois d'affilée et. Et impossible de rebouger. Tu lèves les bras quand c'est comme ça? T'as essayé? Non. Même par exemple, si je veux m'échapper. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais, j'ai le même souci que toi. Même. Ah ouais, ton cerveau il suit plus. Il n'y a plus rien qui suit. Ah, ouais. S'échapper d'un coffre, c'est chiant. Moi, une fois à Marseille, je m'étais retrouvé dans un coffre aussi. Bah, c'était pas facile de sortir. Qu'est-ce que t'as fait pour aller dans un coffre? En parlant de coffre à Marseille, tu sais que j'ai entendu une histoire sur Marseille. Ouais, attention à ce que tu dis, toi. Non, c'est vrai. Il y a des taxis, mon gars, à Marseille. C'est des Chinois, mon pote. Bah, ils sont. En fait, tu crois que c'est le même mec, mais ils sont deux, en fait, dans le coffre. Il y en a un dans le coffre et il y en a un dans la bagnole. Et en fait, ils tournent H24. Hugo, t'as fait la. Des Chinois à Marseille? Ah, apparemment, ouais. Donc des Chinois, j'ai pas fait la compta.
Le taxi que je connaissais, il y avait une 406 blanche là, mais... Ouais, c'est ça, ouais, t'as tout compris. C'est compris, merci. Okay, bien pris, bien Tyler. Ça doit changer. Je l'ai pas activé. Si, activez ouais. Votre radio, les gars, tout ça. Ouais, mais... Ouais, mais surtout quand vous sortez, quand vous sortez du garage. Surtout chez mauvais numéro. On sait jamais ce qui peut se passer si vous avez un souci ou quoi que ce soit, comme ça vous faites un call et on sait. Tu t'en as fait 350, Franck. Salut Tyler. À l'arrière, Franck, maintenant. Non, arrête, je peux pas me battre. On avait dit qu'on avait fait Je peux pas me battre. T'as de la chance, je peux vraiment pas me battre, Franck, parce que je te prie. C'est rebondé par les EMS si tu veux te battre. Franck, t'en as fait 350, c'est ça? Ouais. Ouais, j'ai noté. Noté, c'est bon. Bah attends, je vais faire un autre truc. Bon, tout le monde sait comment ça fonctionne maintenant. Oui. J'allais dans tout sens. T'as non, vu mais les est nickel, là, ouais. Franchement, c'est propre. Hein. Saoule, gros. Ils ont bien bossé, les copains. On n'a pas les outils pour, j'ai pas de karcher, tu de karcher, je le fais. Bah, je vais essayer, là, peut-être, comme ça, tu vois. Ah non, j'astique rien du tout, gros, là. Bah, t'as l'air, c'est bien. L'air sera propre, mec. Ouais, bah après, vaut mieux qu'il soit propre que ça, là, tu me diras. Lequel, le mien? Bon, vu manquer la réunion, j'allais me coucher. Ça. Hop là. Il arrive quand le boss, Niklos? Écoute, la dernière fois que j'ai dit, il m'a dit dans 1h30, donc je sais pas, d'ici une heure, quoi. Ouais, j'imagine. Hein. Bon, ça fait long. Je sais bien, mais apparemment, il y en a eu une. Super. Bah, tu vois le taf qu'il fait, il s'occupe des WL, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Des WL? Des personnes qui viennent pointer à Pôle emploi, on les appelle les WL, tu vois ce que je veux dire? Ok, j'y étais pas, j'ai capté. Eh, hey, on a pas dit ça contre derrière nous. Bravo! Il y a une moto, elle est tombée là-bas, les gars. Là, il y a une moto qui est par terre. La moto qui est tombée, Tyler! C'est toi qui viens de faire sens? Bah non, elle est par terre, je donne. Non, elle vient de la voir, elle est. C'est toi qui viens de ramener la voiture de police? Laquelle, celle-ci? Oui. Ouais. Ah, c'est pas lui qui l'a fait tomber. Hein. Non, c'était moi. C'était toi, Niklos. Je te jure que j'étais avec toi, j'étais avec toi à l'instant. Alors, déjà par terre. Je te jure que c'est pas moi. Je te jure que c'était avec toi. C'est qui a fait tomber ma putain de moto? Tyler, putain, bordel de merde. Mais t'inquiète pas, va te ramasser ta moto. Ah, on l'a réparé. La moto qui est par terre. J'arrive pas à la ramasser, putain, ça me casse les couilles. Oh, je l'ai fait. Ta moto est par terre, Tyler. Voilà, c'est bon. Tu veux que je t'amène au garage? Non, laisse le là. Bonjour monsieur. Peut-être, non c'est pour... Ouais, c'est à vous que je parle, c'est une réparation. On fait le contrôle à l'extérieur du garage, s'il vous plaît, merci. On peut faire notre boulot? Si, vous pouvez. Tyler, allez, Tyler, tu te tais, s'il te plaît. Tu les laisses faire leur travail. Vas-y. Laisse faire leur boulot, Tyler. Apparemment, vous avez pas compris ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Pardon. Excusez mon collègue, monsieur l'agent. On a contrôlé sur Mira. Y a pas de soucis. Non, vous êtes pas très physionomiste, visiblement. D'accord, bah alors excusez-moi. Vous pouvez me présenter une carte d'identité, s'il vous plaît? Tout à fait. Et vu que vous m'avez gonflé, j'ai posé la radio. Arrête, bordel. Laisse les flics faire leur taf. Mais c'est pas chez leur mère ici, merde. Mais je sais, bordel, mais laisse les faire leur taf. Ils peuvent attendre que le type sorte. De toute façon, le type, déjà, il a pas à se garer là. Déjà, t'aurais dû dire au type, tu te prends chez ta mère, t'as pas de garer ici. Le garage, c'est là-bas. Le type, il nous ramène du fer. Oui, mais même s'il ramène du fer, il va se garer là-bas. Là, c'est réservé pour. C'est monsieur qui a ramené du fer. Pourquoi on dit rien à Alex Fielder qui s'est garé comme des putes tout à l'heure? C'est pas pareil. C'est pas pareil, continue de chercher. C'est pas pour les voitures. Si, c'est ça. Ah, on est d'accord. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça, le monsieur, il a pas se garé là. Il a pas se garé là. Non, c'est là-bas, il doit se garer. En fait, on a plus de légitimité à se garer là que le putain de Life in the Eider. Bah, ouais. Merde, t'es fou de venir tout le temps, toi. Je suis très calme. Non, t'es pas calme du tout. Ça, c'est, moi, crois-moi, d'ailleurs, je me suis fait engueuler, il était pire que ça. Là, il est calme, man. Je suis très très calme. Ouais, moi, le jour où tu m'entendras gueuler, tu sauras, Niklos. Oh là là. C'est juste que c'est pas parce que c'est des agents de police qui peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, hein. Ils sont pas au-dessus des lois. C'est pas ce que je te dis. Ils sont pas au-dessus de la propriété privée non plus. Après, y'a pas de plaintes qui sont toujours derrière ton cul. Je veux te dire par là.
Oui, bah ils peuvent être derrière mon cul s'ils veulent. Il avait combien de fer? Ah, je sais pas. Je sais même pas. Ah, il est occupé encore. Même pas eu le temps de Par contre, celui-là qui s'occupe de lui et qui va s'occuper du fer, lui dit que la prochaine fois, il ne garde pas où il est. Il garde là-bas. Il se garde toujours là, c'est un bon petit gars. Ouais, même ouais, c'est un bon petit gars, il se garde pas là. Ouais, mais c'est là-bas le parking, les man. Là-bas le parking. Ça, c'est pour les EMS et tout. T'es un bon petit gars, on va pas le faire chier. Franchement, j'ai même parlé pour lui, pour le patron. Il m'a dit s'il continue à persévérer, peut-être qu'il pensera à l'embosser. C'est bien, mon champion. Bah, franchement, il mérite, de ouf. Ah oui, il tape comme un ouf, par contre. C'est sûr, on ne peut pas dire le contraire. Il s'appelle comment? Il s'appelle Chris. Mais c'est lui que j'avais vu, que j'avais dit de venir vendre. Ouais. Et c'est celui-là qu'on avait prêté les. Ouais, moi je lui ai prêté mon burrito tout l'après-midi. Attends, qu'est-ce qu'il fait avec ça, Vago? Je lui ai filé le burrito. Bah attends, par contre, faut que tu lui fasses signer une Dessars. Woody m'a un peu. Enfin, il m'a pas engueulé, mais il m'a dit quand vous prêtez vos véhicules, faites bien signer une Dessars, comme quoi et tout. Il y a le moindre problème, que qu'on soit pas emmerdé en fait. Ouais. Mais c'est un truc de fou, ça, vraiment. Ouais, je t'ai passé un coup de chiffon, comme ça, tu seras pas venu pour sympa. Rien, tu vois. Salut, Chris. J'ai encore du fer pour vous, salut. C'est sympa, ouais, le fer, tout ça, Chris, mais la prochaine fois, tu sais, même si t'as du fer, garde-toi ici. Là. C'est jamais, tu vois, les flics, c'est les flics qui te gardent ici, avec les MS. Je sais même pas que c'était pour moi, en fait. Non, mais ce que je te dis, c'est que la prochaine fois, garde-toi pas là. Tu te gardes ici, et puis après, ouais. Quand on te dit, ouais, t'emmènes ta voiture là-bas pour décharger, y a pas de problème, quoi. Ok, pas de soucis, pas de problème. C'est cool, merci Chris. Mais pourquoi tu contrôlais du coup? Et alors, apparemment, je roule un peu vite. Mais il sait pas me dire combien. Voilà, t'as bien répondu, c'est bien. Ah, il a pas le compas dans l'œil, le flic, quoi. Non, pas trop, là, pas trop le compas dans l'œil. Déjà qu'il m'a pris pour quelqu'un d'autre, et je viens de vous choper, ça vous a pas suffi. Moi, je vais. Non. Première fois qu'on le voit d'ailleurs. C'est pas comme si la voiture elle était rare. Ouais, et puis bah ouais, non, mais je devais passer un Mac 2, le feu rouge, alors c'est pour ça, vu qu'il s'est pas arrêté, parce que j'ai vu plein de flics courir après des voitures super sportives, ils savent pas les attraper. Du coup, moi, bah ouais, c'est facile. Ils se sont fait la main sur moi, c'est pas grave. Ah, c'est la formation pour écaler, quoi. Ça doit être ça. Bon, et est-ce du que coup, tu as envie d'un burrito contre une petite décharge? Allez, vendu. Alors par contre, attendez, parce que vous avez le fer dans la voiture? Oui. Vas-y, j'en ai encore 50 pour sur moi là. Vas-y, on va là-bas. Bon, alors attends, je vais me vider. Quelqu'un a noté le fer là? Personne n'a pris le fer dans la bagnole, je crois qu'il est encore. Hein. Si, non, je l'ai. Si, tu l'as? Les 25 sur moi. Et tu l'as noté du coup? Et t'en as combien sur toi? 50. Ok, bah attends, je reviens. Attention à vous, je sors. J'avais oublié de. J'avais oublié. Je répare, je mets des chances. Et... C'est rien en tant que chose. Comme tu dis, Niklos. Par contre, faut vraiment que t'arrêtes de charrouer tout le monde, Niklos. Ouais, pas de soucis. Là, c'est moi, ça, normalement. C'est quoi, Charo Cli, Charo quoi? La patronne du Weasel. Enfin, du Life Invader, putain, faut vraiment que je me rende ça en tête aussi. Hein. Attends, mais c'est pas l'autre la patronne du Life Invader, je comprends rien. Non, elle est pas la patronne. Mais c'est sa frangine parce qu'elle est comme lui, quoi. Non, c'est pas sa frangine, c'est. Elle est. Couche ensemble, peut-être. Ah, couche pas avec, je vais demander. T'as c'est Marnie, la patronne du machin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Marnie. C'est bizarre, la façon dont t'es là de tirer les mots quand t'es pas. Ouais, moi non plus, hein. On dirait un peu l'autre com, mais avec une plus jolie voiture. Quoi. Moi, je pense que. Je pense que je veux dire. Est-ce qu'il faut non, ou il faut, je crois pas. Je veux dire, elle a des chevaux sous le capot, quoi. Ah bah ça, ça fait au moins 450 chevaux, je pense. Après, j'aime pas la couleur, mais bon, ça, c'est personnel. Après, le dégoût, moi, je l'aime pas tout court. Hein. C'est aussi bien qu'elle parle, tu vois. Si elle écrit. Ça crie. Ah bah la voiture, oui, je pense, elle a 450 chevaux. Je parle pas de la putain de bagnole, bordel. Il parle de la meuf. Ah oui. Ah d'accord, j'ai pas compris gros. Ah ouais. T'as l'impression que t'es de Marseille toi bordel. Oh je le fais. Non, c'est encore les flics. Ok, ah ouais j'ai pas compris. Ah ouais du coup c'est super sexuel. Bonsoir. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui puisse les payer. Fais pas une petite réparation.
C'est bizarre, c'est ni la commandante ni le commissaire qui est une investisseur. Dorian. Il n'a pas de pouvoir à la police. C'est simple, c'est les agents. C'est bien. Oui. Bien et bon. Ça va. Je reviens tout à l'heure. Le pied à terre, Otos. Oui. Ça va, hello man. Adam 04, 16 Autos. C'est un con aussi, ou oui. Oui. Comment ouais, pas de problème, après faut que je voie. Oui, bien toi. Ah, tranquille, tranquille. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Noah? Ah bah ça s'est arrêté. Non, je suis là, je suis là. Non, c'est parce qu'il y avait les... Attends, j'arrive... T'es au garage ou pas du tout, là? Ouais, je suis au garage, tu peux venir si tu veux. Vas-y, j'arrive, à tout de suite. Tout de suite. Vous allez voir, il y a un bon qui arrive là. Un bon client. Il y a un bon client qui arrive. Pourquoi ils se donnent des numéros, les flics là? Ils peuvent pas s'appeler par le prénom, c'est plus sympa quand même. C'est pour les criminels. Je sais pas, ouais, c'est pour qu'ils sachent leur prénom. Mais ils ont leur nom écrit sur leur ouais, uniforme. Comment ça c'est gradés. Pour les criminels? Les gradés. Ouais, les, vas-y. Pas les officiers. Merci toi. Sur des conneries. Aucun sens. Ouais, ils auraient demandé les officiers, ils ont pas. Tyler, c'est bon, tu es trop zen là? Je suis très zen. Hey, tu l'as vu mon bébé, Niklos? Ah, bah oui, il est ton bébé. Ça va, c'est le parking. Bah toi, le bordel, là? Ouais, bordel. Un peu d'achat pour la tulipe, hein. T'as payé ça combien, toi? Américain, là? Ah putain, mais Zano, toi aussi, tu t'y mets. Ah, mais c'est une tulipe, c'est incroyable. Non. Ouais, mais t'as payé ça combien, 34. 34? Ah ouais. Ouais. Moi, j'en ai vu une qui me plaît, mais elle a 98 000. Donc bah voilà, moi, ça commence petit. C'est quoi, Niklos, que tu veux? Même pas son nom, mais elle me plaît bien. Ça marche. Bah, c'est un gros SUV de ouf là. Bah ouais. Un gros SUV de ouf. Tu veux le Rebla non? Ouais, c'est peut-être ça. Je sais pas, c'est un gros SUV et une belle gueule. Moi, on m'a embossé mercredi, depuis mercredi celui-là. J'ai pas le nom d'Emmanuel moi. Du matin au soir quoi. Ouais, tu charbonnes quoi. Ouais, bah, ouais, les gars, tu charbonnes aussi. Ouais, de charbonne. Mon pote, je suis un pauvre moi sur moi. Avec le soir. J'ai 18 000. J'ai même pas 18 000 gros. Non, mais toi t'as déporté, t'as acheté une bagnole aussi. Moi non. T'as pas acheté une voiture? Non mais j'étais pas là cette semaine du coup. Ah oui d'accord. Moi j'ai 18 000 là. Mais t'as plus les 34 que t'as dépensé dans ta bagnole. Ouais. J'attends de se blinder quoi. Comme ça demain je m'achète une moto. Allez, voilà le collègue là, le taxi. C'est un bon, c'est tout moi tu vois, il est drôle. C'est un collègue pour toi ça, Tyler, tu vas rigoler avec lui. J'écoutais pas. Et bonsoir. J'écoutais pas, tu disais quoi? Je disais là, j'ai un bon là. C'est Douma là qui vient d'arriver le taxi là. Tu vois, il est bon. Douma. Monsieur Douma. Ah bah nous aussi on bosse hein. Et Douma. Et bonjour. Oui, et toi? Ouais, viens là avec tes collègues là-bas. Mais qu'est-ce que j'ai fait du taxi? De quoi? Tu veux qu'on s'occupe de ton taxi? Mais en fait, j'ai eu un petit problème. Au-delà du fait que le capot est complètement renfoncé, j'avais les warnings qui se mettaient à fonctionner tout de seul. Je sais pas pourquoi. D'accord. Et puis ça s'est arrêté. Ah bordel, tu veux qu'on fasse un petit check-up? Bah le truc qui me fait chier, c'est que le patron, c'est un radin, et qu'il va pas me rembourser les frais, cet enfoiré. Salut mon pote. Et que je vais pas payer pour ce taxi de merde, donc laisse tomber, c'est pas grave. Il me donnera bien un taxi qui merdera un petit peu moins quand même, je pense. Bah, comme tu veux, sinon ça l'occupe. J'écoute combien la réparation? Parce que de toute façon, il va falloir que je sache un petit peu les tarifs que vous faites pour mon véhicule personnel. Carreau, combien c'est 280, c'est ça? 85. 285, pardon. Carrosserie, $285. Oh putain. Et kit moteur avec DEM. Attends, j'écoute. Et vous prenez est-ce que vous prenez les reins? Non, pas un rein. Après, Tyler est ici présent, il connaît plein de MS. Si tu veux, ils font peut-être du trafic d'un. Oh putain, j'ai pas assis sur moi. Bon, bah tant pis. Hein, après, tu peux payer ta facture par directement sur ton compte. Hein. Oui, mais moi, tu sais combien je suis payé? Non, dis-moi tout. En sac de riz et en pistache. On t'a déjà dit avec le patron qu'on aurait pu t'embaucher.
Oui, mais moi j'étais déjà dit que ce que je comptais faire, donc du coup je vais pas profiter, donc voilà. C'est très gentil, hein, mais je vais pas profiter non plus. T'es sérieux, ton patron il paye un sac de riz en cacahuète? Non, mais c'est presque pareil. Au moins il a bouffé, c'est déjà bien. Au moins t'as à manger, tu vas me dire. Oui, mais comment tu veux que je dors à l'hôtel? Dans l'hôtel, il y a quoi? Une chambre? Un chiotte? Une douche? Et je fais quoi avec mon sac de riz et mes pistaches? Mais tu vas bien. Je peux pas les faire cuire. Bien. Mais si, tu fais chauffer ton eau, tu vois, avec une petite bouilloire, et tu mets le riz dedans, puis après c'est parti. Ah putain, t'es un génie. Je vais mettre les sacs de riz pendant que je prends la douche brûlante. Bah ça peut être ça aussi, ouais. D'accord. Et c'est ici que tu travailles? Bah, c'est là qu'on travaille, tu vois. Oh putain, je connaissais pas. Bah, c'est ici le garage, tu vois. Tu vas jamais au garage avec ton taxi ou quoi? Bah non. Petit rappel, tu je suis un conducteur européen. Hein. C'est compris, bien sûr. À part quand il y a des poteaux sauvages qui se jettent sur la calandre. Elle me fatigue à la radio, excuse-moi. Bah, tu veux qu'on la check ou pas? Je l'ai viré, moi, à la radio, comme ça, je suis tranquille. Tu aurais fait pareil, Niklos. Tu peux pas. Si, tu peux. Douma, tu veux qu'on check ta bagnole ou pas? Bon bah vas-y, allez. Ah, vas-y, je vais te la checker, je vais te dire ce qu'il y a. Non, non. Ça va me coûter encore un rein, cette histoire. Hein. C'est bon, t'en as. Pas tous ces mots. Bah oui, hein. Et par contre, je vais... Ah Bob Marley, t'as pas de quoi t'acheter des chaussures là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de cette bagnole? Toi la vie banane. Toi la vie banane, comment tu vas? Ah, il joue. Alors... Oui, j'ai pas entendu. T'as besoin d'aide, Niklos? Non, ça va aller, merci. Oh, bon. Niklos, t'as besoin d'aide? Non, ça va aller, merci. Non. C'est gentil, bon état, Tyler. Bon état, c'est un petit besoin de carrosserie. Ça s'appelle Timothée, c'est ça? Ouais, donc du coup, t'as des petits problèmes au niveau de tes warnings, ouais. Soucis électriques. Ah, on est d'accord. Soucis électriques dessus, ouais. Ouais. Voilà, on est d'accord, ouais, parce que ça s'est arrêté, ça s'est mis, ça s'est arrêté. Ouais, il y a un petit souci. Ouais, c'est un peu la même. Bah, tu veux que j'essaye de démonter, que je regarde? Bah vas-y, hein, de toute façon. Tu vois en radio. Celui-là, c'est bon. En droit, avant gauche, c'est bon. Ben voilà le problème, c'est l'ampoule qui merde là. Je sais pas qui c'est qui a fait la dernière voiture de police là, mais il a pas mis le numéro du matricule dans la compta. Ouais. Oui. J'ai changé les deux ampoules de devant, normalement tu seras plus emmerdé. Ah oui, d'accord. C'est tes ampoules, t'as la vitre de cramer. C'est pour ça que ça faisait faux contact et ça faisait le bordel. D'accord. Oui, bien sûr. Ouais, bon. Du coup, j'ai tutoie combien alors? Pas du tout. Et rien du tout. Les ampoules, bah, bien sûr que si. Non, c'est bon, les ampoules. Ah, d'accord. Ah, vas-y, 10 dollars. C'est pour ça que ça me fait 10 dollars. Allez, je te les donne. Voilà. Attends, j'ai les quotas, hein, d'accord. Est-ce que... Niklaus J'ai toute ma liasse de billets là que j'ai dans mes poches, d'accord. Ouais. Si je veux te donner de l'argent, je peux choisir combien je te donne après. Ça va pas te donner toute la liasse. Je crois. Je pense. Essaye, tu vas bien. Allez. Niklaus, il est là. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur, putain. J'étais en train de dire, mais je vais pas tout lui donner quand même.
J'ai quand même servi de tes mains pour donner des billets, non? Merci, c'est gentil de moi, merci. Bordel. Eh, qu'est-ce qu'il a? Ouais, elle enchaîne, il enchaîne tout le temps, c'est Taylor. Je te disais, tu sais quand même te servir de tes mains pour donner des billets. Alors, Bordel. Est-ce que c'est compté que tu t'es servi? Il est un peu vénère. Et oui, il est un peu vénère. Et si c'est ta question, ton collègue, et tu diras à ton collègue qu'il se fasse décapsuler le capot un petit peu de temps en temps. Hein, ça fera descendre un peu la pression. Hein. Je te rassure. Tout à l'heure, les flics étaient là et il n'arrête pas de leur dire vous croyez chez votre mère? Il a failli se faire embarquer deux fois déjà. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oui, oui, oui. Rien des moins. Ouais, c'est et bon, t'es réglé. Toi, mon gars, là-bas, moi, je connais des types. Ils sont ultra vénères. Comment il s'appelle le... Comment il s'appelle le petit frère de Niklaus là? Putain, j'ai oublié son nom à ce con. Elijah, tu sais, le plus... Elijah. Non, non, le plus jeune. Le plus jeune, c'est Elijah, Rebecca. Ouais, on va t'envoyer Rebecca, va te décapsuler tout ça, tu vas pas comprendre, hein. Ça te fera du bien, je pense. Hein. Ah, et Rebecca quand même, hein. Ouh là 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 là. Ah, Rebecca, là, ce qu'il faut sur le capot, hein. Je peux te dire que... J'appuierai bien sur le klaxon, y'a pas de problème. Hein. Rebecca, je lui change pas que les ampoules. Hein. Non. Je te montre bien le pelleux, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, et je ferai tut-tut. Tu ferais un petit camion. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Bien poète, sûr, hein. On est d'accord. D'accord. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour les ampoules. Hein. Bah, non, rien, pas de soucis, c'était un problème, tu te rappelles. Mais c'est moi ou... Oh putain, faut que je te raconte un truc. Ouais. J'étais en train de faire ma course, d'accord, il y avait un clown derrière la voiture, dans la voiture, pas derrière, hein. Ouais. J'ai pas traîné un type derrière la voiture non plus, hein, d'accord. J'ai compris. Non, on était derrière sur la banquette, hein. Et donc du coup, il me dit, oui, bah, faut aller au doc et tout, donc moi j'ai traversé la ville, tout le tralala, d'accord. Et du coup, on arrive vers les docks, j'ai dit, mais vous êtes sûr que c'est vers là-bas? Il me dit oui, oui, t'inquiète. Et là, d'un coup, il ouvre la porte et il se jette. Il voulait pas te payer? Mais non, mais ce con, il est mort. Mais oui. Du coup, t'as pas été payé? Bah non. Bordel. Attends. Du coup, j'appelle les EMS. Normal. J'ai dit, j'ai fait géolocalisation. Je dis, j'ai un type qui s'est jeté de mon taxi, il est pas très bien. Le type, il m'appelle. Il me dit, oui, bonjour, comment ça va? Bah, pas très bien, connard, il y a un type qui s'est jeté de mon taxi, il est à moitié en train de caler sur la chaussée. Donc, juste, tu te dépêches, en fait. Il s'en vient au bout de combien de temps? Oh, 3-4 minutes, le temps que le type, il décède. T'as toujours des pépites. Trucs choux, toi. Des pépites. En plus, le médecin, tu sais ce qu'il me dit? Non. Bon, bah, je suis désolé, je crois qu'il est mort pour cause de décès, hein. Et j'ai dit, bah, c'est un petit peu le principe, du coup. Oh, bordel. Non, mais il y a les pépites, coup, chez les médecins, et donc... Et du coup, ils ont appelé la police. Peut-être que c'est pas vrai, hein. Ils ont appelé la police pour dire que c'est moi qui l'avais tué le type. Et apparemment, bon, je pense que c'est fake, hein. La police aurait dit ouais, bah tant pis, ça fait un clown de moins dans la ville, on n'a pas que ça à foutre, nous. Du coup, je suis partagé entre l'humour des EMS. Je suis partagé entre l'humour des EMS, on est d'accord? Et le je m'en foutisme des flics. Ouais, et tu sais quoi, je vais leur demander. Vas-y, vas-y. Oh putain. Il n'y avait plus de frais. C'est qui? Et bonsoir. Madame sans chaussures. Ah, plus maintenant, plus cadet. Je suis officier. Tu seras toujours cadet dans mon cœur. Ah bah super. Comment tu vas? Bah tes coéquipiers me font chier. Et bonjour. Ah ouais. Bonjour, madame sans chaussures, comment allez-vous?
bonjour, bon, ça va vous... Très bien, mais je me souviens jamais de votre prénom. Bah, c'est Oli. Oli, c'est ça. Vous allez bien, madame Oli? Il m'a dit de bien fermer ma gueule. Ah, vous avez mis vos chaussures aujourd'hui? Bah oui, ça, il m'oblige à les mettre. Ah, oui. Regardez, là, il y a de l'herbe, si vous voulez, vous pouvez les enlever ici, là. Non, c'est pas interdit. Ah oui, mais je pense que l'officier, il va pas être très d'accord. Cachez-la, ah, regardez. Je pourrais même faire une petite séance de yoga. Et... Vous cachez-la, vous enlevez vos chaussures. Ah oui, merci. Je vais les mettre sur mon épaule, hop, les lacets, hop. Voilà. Et voilà. Et monsieur, oui, vous allez bien? Oh, bah plus trop là. Pourquoi? Oh putain, c'est... Oula. Oh. Bah, qu'est-ce qu'il a? T'arrives, Douma? Douma, qu'est-ce qui t'arrive, Douma? Monsieur Douma? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que nous, les Blacks, on a des grosses narines, tu vois? Oui. Donc, ça ventile beaucoup plus. D'accord. Mais quand même, Douma, mais t'as pas honte? Bah, quand même... Bah quoi? Respecter, ah oui, la petite dame, elle aime bien ses chaussures, mais voilà, on peut lui dire qu'il y a plus des pieds quand même. Non, mais mes chaussures sont tellement toujours dehors qu'ils n'ont pas le temps de puer, hein. Rassurez-vous. Hein. Ça fait 20 ans que je suis pieds nus, donc non. Bah oui, mais d'accord, mais là, c'est pas les chaussures qui sont le problème, là, du coup. Ah, c'est non, quoi le bécone. Problème? Non, mais c'est pas grave, je bécone. D'accord. C'est humour. Humour, c'est humour du Cameroun. C'est humour du Cameroun. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord, d'accord, monsieur Douma. Douma. Non, moi, c'est oui, le nom de famille, c'est Diakité. Ah, monsieur Diakité Douma? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Douma? Je conduis des taxis et puis je tue des clowns. Non, c'est pas vrai. Le clown, pour ma défense, le clown, il s'est jeté de la voiture. Il n'en peut plus de vous. Mais vous avez raison, moi, j'ai peur des clowns. Un peu plus de vous. Vous savez ce que dit des clowns? Non, oh, mais dites-moi. Ça. Ah, vous avez la référence quand même. Hein, hein? Oh là là. Je les vois le sourire sur votre visage. Hein, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oh, j'adore votre voix. C'est pas souvent vous ce que disent les femmes en général. Vous voulez pas venir travailler à la police, monsieur Douma? Alors, j'ai déjà postulé. Ah oui, mais c'est vrai que les recrutements sont gelés pour l'instant. Et mais j'étais flic il y a 5 ans, moi, ici. Ah bon? Oui. Je suis monté jusqu'à officier supérieur. Ah d'accord. Ça? Oui, oui, bien sûr. Ça va? Ouais, ça va, ça. Ouais. Et donc, vous attendez quand même de revenir au commissariat ou vous allez rester taxi? Ah bah, j'attends qu'on me recontacte. Ah d'accord. Vous pensez qu'on va vous contacter? Vous étiez un bon officier? Ou bien j'en sais rien, moi. Moi, je suis retourné au pays parce que j'avais des choses à faire, mais après... 10-31, 10-19, 17-18... Ah oui, 10, ça veut dire quoi, 17? C'est quoi, c'est prise ou fin de service? Je sais plus. Ah bah voilà, voilà. Je crois que 17, attendez... Bah, après, le Cameroun, c'est pas pareil, c'est pour ça. Non, mais c'est... Non, j'ai l'appris ici. Et donc là, vous traînez ici, Autos. Ils sont bien fort sympathiques ici. Hein. Mais non, je travaille. Mais, oui, on est sympa, mais non, hein. Mais là, vous venez dire bonjour au monsieur les mécanos. Oui, il est venu me voir, il avait un petit souci avec sa voiture. Oui. Ah. C'était comme connaît, le magnétoscope. Mais les clignotants, là, c'était comme les magnétoscopes. Si tu avances quand je recule, les clignotants, ils. Tu allais dire autre voilà. chose, mais. Je Et vous avez le move dans la peau, vous, non? Hein? Ah oui, je suis tout le temps joyeux comme ça, là, oui, bien sûr. Ah, c'est bien, c'est bien. Et vous savez, au Cameroun, on a un 10 spécial. C'est d'accord. Au bout d'un moment, quand c'est la course-poursuite et que c'est le bordel de partout, c'est 10, j'ai plus le temps, tu me casses les couilles. Non, mais trop de vulgarité, là, monsieur Douma. C'est pas de la vulgarité, c'est du beau savoir-vivre. Oui, moi, mais vous pouvez le dire autrement, s'il vous plaît, que je... Mais j'ai une question, Douma. Oui. T'as été l'enterrement du clown, non? Ah bah oui, en fait. Non, parce que du coup, les EMS, les marabouts, là, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, on a prévenu le coroner. Okay. Et ils m'ont dit... Laissez-le crever en plein milieu de la route, même s'il est déjà mort, de toute façon. Les coroners vont venir le ramasser. Ah oui? Voilà.
Oui, bien sûr. Parce qu'il a un clown. Vous avez raison, les clowns, c'est pas ça. Hein. Il a un clown qui a sauté de son taxi. Là. Ah, ah bah oui, mais ça, c'est parce que vous aviez une mauvaise conduite. 02. Oui. Chaussures et on y retourne là. On y retourne. Eh ouais. Merde, je croyais qu'on l'avait caché pour ses chaussures, mais ah, désolé. Allez, ah, merci, bah, merci beaucoup. Il faut arriver. Qu'est-ce que vous avez mauvaise conduite ? Ça va, Molly ? Bah, mauvaise conduite quand le clown sort, se sauve de votre taxi. Mais comment j'ai pas voir mauvaise conduite alors que j'ai resté entre les lignes à 90 km au maximum? Bah, écoutez, moi j'ai été taxi avant d'être agent des forces de l'ordre et j'ai perdu quelques clients, dont aussi des clowns. Ah, c'est pour ça que vous êtes passager du coup. Ah bah oui, j'attends la formation conduite. Ah. Bah, allez. Allez, on y va. Bienveillance sur vous. Et pensez à la bienveillance, c'est important. À bientôt. À bientôt, bon courage. Elle a le bon courage, cadette. À vous aussi. À plus, c'est Jackson. Évitez de trop casser la. Et vous êtes qui, vous, monsieur? Je vous connais pas. Ah, monsieur Douma. 5 minutes, ouais. Monsieur. Monsieur Douma. Oui. Eh ben, en santé, moi, c'est Dixon. Il y a du, le... ouais, il y a du Cameroun. Il y a un ancien de la SPD, il y a 5 ans. D'accord. Mais attends. À un moment, il rigole, tu vois. Elle a fait tuer plusieurs personnes, elle aussi. Faut croire. Faut pas faire attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a vérifié son permis de conduire ou pas du tout? Monsieur confirme qu'elle sait pas conduire. Elle nous a rentré dedans trois fois déjà. Donc. D'accord, bien sûr. Sérieux? Non, mais vous avez... une fois, elle a failli tous le buter. Hein. On était devant le commissariat, elle est arrivée avec sa bagnole comme une tremonde. J'ai cru que j'allais mourir. Même Angelo, merde. Angelo, c'est mon cousin. Et même, merde... C'est con de WL. Ah, même le patron est tombé dans la rivale, quoi. Non. Ah, c'est sourd. Comme quoi, c'est pas une lésante dans les femmes au volant, des fois. Ouais, non, mais surtout elle, quoi. Surtout qu'en fait, elle conduit pieds nus, en fait. Bah, pourtant, quand on conduit pieds nus, on sent bien les pédales. Hein. Moi, ça m'arrive de conduire pieds nus. On est d'accord qu'il y avait quand même une petite odeur, hein, tout à l'heure, quand elle avait les chaussures. Ouais, c'est oui. Qu'elle a dû marcher dans le gasoil, je pense. Il y avait une histoire de taille. Toi, bah, commence pas par une histoire de gasoil parce que je te rappelle que la meuf que tu essayes de serrer, elle aime bien le gasoil. Ouais, c'est pas faux. Mais c'était elle qui était là tout à l'heure, là ? C'était la fille ? Ouais, c'était elle. Ah, ouais. Ah, ok, j'avais bien compris. Ouais, en tant que t'es lent. Elle aime bien le gasoil. Est-ce que c'est un code caché ? Ah non, pas du tout. Non, c'est qu'elle aime vraiment bien le gasoil. Elle est venue nous voir, nous a dit, vous les garçons, vous sentez bon parce que vous sentez le gasoil et l'huile. Et qu'elle aimait bien cette odeur. Elle prend des douches ? Elle m'a dit qu'elle sentait le graillon par contre. Et là, ta radio, elle est où? Parce qu'elle bosse au Ah, elle a un tatouage. T'étais passé où, Zachary? Non, c'est pas elle, c'est parce qu'elle est sous rose. T'étais passé où, mec? Je la connais pas. Là, j'étais en train de réparer ma voiture. Elle s'appelle Moira. D'accord. Bah ouais, elle était morte, alors du coup, il fallait que je la répare. Non, je la connais pas. Ouais, bah tu le verras, c'est un personnage haut en couleur. Hein. Quand tu la verras, tu diras, ça c'est Moira. Okay, cheveux d'accord. Rose, petite couette, très sympathique. Bah c'est pas testé encore. Ok, d'accord. Bon. Bah, peut-être que c'était sur la même zone. J'ai choisi des taxis, moi. Ah, pas de soucis, Edouard. Et merci pour les ampoules, hein. Non, ça fait plaisir, pas de soucis. Et vous êtes bienvenu ici, monsieur Douma. Et pourquoi que moi, les autres, ils sont pas le bienvenu aussi? Ah, mais tout le monde est le bienvenu, Autos. Tout le monde est bienvenu, Autos. Donc, un Tyler. Je vais me taire, je pense. Un Tyler. C'est lequel, Tyler? Il est là, c'est qui lève les bras. Là. Ah, c'est vous qui m'avez posé la question si je savais compter avec mes doigts? Oui, c'est ça. Non, vous savez vos doigts et compter tout court. Ouais, d'accord. Pourquoi? Donc, comment ça? Bah, je sais pas, mec, tu demandes si tu dois donner toute la pile de billets. Bah, tu les comptes, tes billets, non? Bah ça dépend combien coûte la réparation. Si la réparation elle coûte 180$ et que j'ai 164$ dans la main, je vais lui donner toute ma pile de billets, non? Non mais on va pas faire toutes les situations sinon on a pas fini. Hein. Bon, y'a un hélico qui vient de passer. Ouais, y'a un hélico qui vient de passer, c'est oui. C'est pas toi. Viens, Tyler, t'es copain. Ah, je fais. C'est un gang, ça. Non, ça c'est... Je vais les fumer. Ils viennent de nous traiter de gang. Drôle. Moi franchement, j'ai bien aimé. Ah oui, bonsoir les man. Bonsoir. Bonjour nous. Les gangs des rouges. Les gangs des rouges, je suis Autos. Les gangs des rouges.
Oh, c'est Jesse. Jesse. Non, c'est Tyler. Tyler, putain, merde. Ouais, si vous pouvez me réparer ça au frais de Wallace. Ouais, pardon, tranquille, c'est normal. Il y avait passé. Ouais, attention. Fred Wallace. Gracias. C'est comme ça. D'accord, ok. C'est le directeur des EMS qui nous a demandé de tout mettre sur le nom de Doug Wallace. Exactement. Pour la soirée. Donc on le fait. Bon, je vous présente deux nouvelles recrues. Je sais pas si tu t'es déjà présenté, Nico. On va si, Nicolas, je les connais. Ah, Nico, super. Et le Tchétchène. Et moi, c'est Angelo, mais vous pouvez m'appeler Angelo. Angelo. C'est pratique. C'est mon cousin qui s'appelle Angelo aussi. Ah ouais? Ouais. Mais c'est, son nom de famille, c'est Dounous. Ah non, moi, c'est pas Dounous, c'est Kissen. Moi, c'est Niklos, moi. Niklos? Ouais, Niklos. Je suis le bras droit de, du patron. Hein. D'accord. Tyler, Niklos, ok. Ça, allez. C'est la mienne, Nicolas. Vas-y, bah du coup, le Tchétchène, n'hésite pas à passer à droite à gauche, demander si les gens ont besoin d'un petit pansement, si tout va bien. On fait quoi? Tu les frappes et moi je les soigne? Ah, si tu veux, on peut faire ça. Commerce, ouais. Ça. Okay. Mais il faut demander le consentement. Ouais, après, c'est des grosses boîtes, hein, généralement. Ouais. Bah ouais. Dans les grosses boîtes, ça se passe comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais bon, tu regardes avec les yeux, mais laisse qu'il dit. Allez, 2-0, ça c'est bon, ça. Le matos, c'est dans la voiture. T'as pas pris de matos sur toi? Bah si, mais c'est dans la voiture. Salut les deux. J'ai rien, j'ai pas de poche là, comment je mets les medikits? Le matériel, tu n'utilises pas de medikits là, tu utilises des petits bandages. Ah, les petits bandages, ah oui, j'en ai ça. Ah bah voilà, bah c'est nickel. Les medikits, okay, okay. Non, ça reste dans le. Vas-y, vas-y. Okay. Bonjour, non, messieurs, comment allez-vous? Ça va bien, vous? C'est vu tout à l'heure, ça va impeccable. Est-ce que vous avez besoin de position lésée? Ah non, ça va. Oh, ça va aller, merci. Enfin, moi, non, personnellement, c'est bon. Ça va. Bah, ça va. Vas-y, mettez-moi à la rue, y a pas de soucis. Non, mais c'est votre collègue qui s'est occupé de moi tout à l'heure. D'accord, d'accord. Bon bah si y'a besoin, vous inquiétez pas, hein, vous appelez... Après, je vous avouerais que ça aurait été une collègue, j'aurais peut-être dit que j'avais mal à la main, ouais. Ah, y'a une collègue qui est sympathique? Ah, vous avez plusieurs qui sont sympathiques de vos collègues, quoi. Ah bon? Moi j'en ai vu qu'une et elle me fait un peu peur. Ah bon? C'est ouais. Qui, c'est qui? Ouais, je vais pas trop donner de détails parce que ça va se... Ça va... Ah, ça j'en, va ai... j'en ai vu... Je suis d'accord avec toi, hein, si ça peut te rassurer. J'en ai vu une hier, elle parlait très fort, elle était habillée en vert comme vous. En vert? Ah non, en vert, on s'en fout. Enfin, je veux dire, en vert, on s'en fout, ouais, je suis assez d'accord avec toi aussi sur ce point-là. Non, c'est pas ça que je voulais dire. non, mais en vert, elle est gentille, quoi. D'accord, ok. Ouais, voilà. Ouais, c'est... Vous faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non. Ouais, je répéterai rien, ça va. Vas-y, mais super, les gars, si... Attention, les gars. Ouais, excuse-moi. Tout ce qui se passe ici, tout ce qui se passe au taux, reste au taux, de toute façon, y'a pas de soucis. Exactement. Allez, bisous. Bisous. Bon. Bon après, je vais bien prendre un nom de... Contre un billet, moi... Daxio, c'est pas très loin de chez toi, ça nom, s'il te plaît. Doug Wallace, ok. C'est quoi, Daxio? Je t'appelle Marseille. Zano? Ouais. Ah d'accord, ok. Il s'est pas envie de passer 20 heures à le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Ajaccio, c'est pas très loin de chez toi. Ajaccio? Ouais. Ouais, c'est de l'autre côté de la flotte, quand même. C'est pas loin de chez toi, ouais. Bah ouais, à vol de mouette, ça va quoi, mais à pied c'est un peu loin quoi. 2-0 dans la gueule. Comment t'as dit, man? Ah, mais tu sais, je regarde pas le handball. C'est vrai, tu m'as dit que tu regardais pas le foot. Moi c'est. Moi c'est Isaac, man. Isaac, ferme ta gueule! Oh. Hein? Qu'est-ce que t'as fait encore, Zachary là? Isaac, parle moins fort, s'il te plaît, putain! Ouais, pardon, man. Mais pardon, Zachary. Tu parles pas si fort, t'as la voix qui porte. Ouais, c'est parce que je crie tout le temps. Bah ouais. Attends, il faut que je redise qu'il a des problèmes à la mâchoire. Ouais, je pense. Il a toujours pas assimilé. Ouais. Qui a des problèmes à la mâchoire? Tyler, ouais, il a... Il s'est pété la gueule par Elisa tout à l'heure. Ouais, alors, ouais. Non, mais en fait, c'était Elisa, il s'est battu, mais en mode... c'était pas très cool ce qu'il faisait. Il faisait qu'attendre et dès que Tyler lui fonçait dessus, il courait. C'était pas réglo, franchement. Ouais. Bah, c'était son premier combat, Elijah. Ouais, c'est pas pour un super héros quoi. Après, moi, comme j'ai dit à Tyler, je comprends comment il a réagi parce que quand tu vois le bestiau arriver sur toi, je pense que c'est possible que se fasse la même chose. Hein. Il est là, Elijah? Ouais. Il était là tout à l'heure, mais ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Je crois qu'il dort. Hein. Oh putain. Ouais, il faut quoi le patron? Il est quoi occupé là? Ouais, il était devant. Devant sa télé, je crois. Ouais, il s'occupe des W là.
Des Ways of News. Liste blanche. Et 3-0 à bordel de cul pour ça. C'est quoi? C'est qui? Ben la télé. La télé, c'est sur le téléphone. Une notif, Paris gagne de 3-0. Oh mais c'est Paris. Pff, équipe de Qatari quoi. Commencez pas quoi, arrêtez de dire Paris bah, de Qatari. Oui, bah excuse-moi. Bah, si t'étais faut être supporter d'une vraie équipe quoi. Juste avant qu'il y avait les Qataris qui... Bon, on m'a dit de dire aller l'OM. Je sais pas ce que c'est, mais je dis ça du coup. Ouais, t'inquiète, dis-le et te pose pas la question. Par contre, j'aime bien moi les gars de l'OM. Hein. Bah allez l'OM. Voilà, pas typé, surtout quand ils perdent 1-0, tu vois. Allez l'OM. Bon, en même temps, je sais pas ce que c'est. Hein, par une contre, équipe hein. À 600 milliards de dollars. Hein. 600 milliards, je pense que tu peux en rajouter un peu. Ouais. Hein. Quand tu vois qu'il y a un certain joueur star qui veut se barrer tous les 2 minutes. Ouais, après, ça, c'est les putains de journaux. Hein. Mmh. Tu te rends compte le nombre de bagnoles que tu peux acheter avec 600 milliards ou... J'avoue, mon gars. Le nombre de clubs là que je pourrais acheter, tu prends 3-4 clubs, une de chaque couleur. Chacune, tu mets les ailerons le turbo. Hein. Oh, tu veux tester un club, quoi. Il faudrait déjà que la douane elle arrive à te débloquer. C'est quoi un club? T'as pas vu le club là dans les voitures? C'est une GTI. Ça me rappellera ma jeunesse. Ah, c'est ce qu'ils appellent en Europe une Golf? Oh, ouais, c'est ça, ouais. Une Golf 1 ZTI. Ouais, c'est l'import qui a. C'est la douane qui a changé le nom, mais. Ouais, c'est ça, ouais. Petit bolide, ça. Moi, ça, c'est un peu mon rêve voiture, tu vois. Ça vaut combien, la club? Ah, je sais pas, il coûte 20 000, je crois. Comme ça va, ça. C'est pas cher. C'est presque du luxe, quand même. Hein. Bon, tu rigoles ou quoi? Moi, je les ai pas, les héros. Moi, je les ai pas, hein. Dixon, pour bien faire voir qu'il a acheté une belle voiture, tu vois, il l'a laissée sur le parking. Mmh, mais il a raison. Quoi, le gros machin avec tous les cylindres là? Ouais, 34 000 balles, le truc à 34 000 balles, ouais. Ça me ferait chier de mettre 34 000 balles là-dedans, je te le dis. Il y a juste le boss qui a fait une affaire hier, quoi. Mais grave, tous les lui rassurer. Ouais, c'est le boss. Bah ouais. Oh, bonne moto, les gars. Allez, vas-y, j'y vais. Allez, je vais en faire une aussi, si tu veux. Oh, peut-être que je passe le permis. Et bonsoir, collègue. Et bonsoir. Ça vous sert. Hop. Bonsoir, dame. Un petit message d'entreprise, les gars. Ah, bah oui, j'ai vu, oui. Ouais. Ah, parce que vous aviez pas votre mine, c'était quand hier que vous avez vu, je crois. Pas sûr, ouais. Ouais, c'était hier, ouais. Non, salut, je suis en train de tester la moto. Si je vous vois sur la moto, c'est que ça va, alors. Oui, ça va très bien, oui. Y'a besoin d'un petit truc dessus? Ouais, la ouais. Et bah, allez, c'est quoi? J'ai des collègues qui arrivent là, ils sont partis à deux, donc il y a moyen qu'ils te rappellent. On prend la bête. Déjà parti? Tu me mets un point. Et les gars, prévenez quand vous prenez une dépanneuse, qu'on sache qui c'est qui part. Non, tu te démerdes, j'ai pas envie de venir pour ta dépanneuse, t'as qu'à appeler Niklos. J'ai pas mon numéro. Mais moi, ça me fait pas plaisir de te voir, insulte patronne de la Finvader. Je vais vite fait chercher mon tonto parce qu'il est à GoPost et du coup, je dois aller chercher pour rentrer chez lui. Ouais. N'oublie pas d'enlever de service. Niklos, si tu veux, Charo, il y a ouais. La patronne de la Finvader qui va faire un appel entreprise. Elle m'appelle, c'est tout. Elle a pas ton numéro. Oh, lui, il va. Ah, si, il va j'ai envoyé un message. Tu rigoles, quoi. Oui, bah, elle l'a pas. Ah merde. Bien. Oui, allô. Oui, c'est Niklos. Vous avez un petit souci? Oui, oui, on a une voiture qui est immobilisée en 7252. Ok, j'arrive. Ah bah merci beaucoup, hein. Merci monsieur Niklos, vous avez sauvé la vie. Hein. De rien, pour vous, je ferai tout, il n'y a pas de souci. Madame. Ah bah c'est gentil, vous êtes adorable. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? 7252. Ok, je note. Merci, tout à l'heure. A tout de suite. C'est quand même une dépanneuse pour moi, monsieur. Ouais, c'est ça. De sortie. C'est la marque de fabrique. Ça, ouais. De quoi, la dépanneuse? Ouais, il y a une dépanneuse sortie. Il y en a une qui est partie là sur l'intervention. Il n'y en a pas une deuxième? Je crois qu'il y en a une devant là-bas, à côté, là, derrière.
Ah, je vais vous faire la facture. Hop, et je vous offre la main d'œuvre, notez sympathique. Oui. Hop là. Et merci. Et merci à vous, hein. Franchement, c'est vous qui faites vivre le petit commerce. Hein. Si vous étiez pas là, nous, ce serait pas mécanicien, moi. Ce serait juste pour un brûleur dans un garage, tu vois. Et bientôt, on va faire encore plus vivre quand il y a des peintures et compagnie. Quoi. Ça. Ah, ça, ah oui, ça. Je vous le fais pas dire. Bah, ce week-end, c'est ah, c'est pas si c'est ce week-end. Allez, encore. Laisse-moi suivre. Tout va dépendre de la douane, ouais, quand est-ce qu'elle les autorise, quoi. Ouais. Dans le matos, quoi. Le pire, c'est les néons, ils sont coincés en Chine là-bas. Bon, bah, la rigueur, les néons, ça. Oui, ouais, imagine, ça marchera pas. Ça, c'est important, quand même. Ouais, mais la peinture, soi-disant, elle donne le cancer, je sais pas quoi. Tout ce ouais. Connerie. Tu veux bien venir avec moi, du coup? On va aller faire chercher une voiture, on est pas là. Ah, bah ouais, vas-y, grave. Allez, allez, bonne soirée, monsieur. Bienvenue, monsieur, bonne soirée. Bonne soirée, ouf. Ah, bah ouais, monsieur, faut que je voiture. Ouais. Tu conduis, je t'indique où c'est. Allez, vas-y, fais comme ça. Ah, merci. Je suis un as de la route. (Rire) 72-52. Hop, alors ceinture. 72-52, c'est où cette merde? 71. 72-40. 85-57. C'est bien qu'elle allait se perdre sur la freeway encore. 72-52. Ouais. 72. 47. 46. 5, 74, 49, 48, 51, 52, j'ai. C'est bon. Bah tu vois, moi je l'aurais pas vu là-bas, moi. Ouais, moi non plus. Y a rien de logique dans leur truc, mais bon. Ok, un truc dans le GPS là pour mettre directement le code. Ah oui, y a un truc, ouais. En plus, c'est pas faux. Ah, mais je me rappelle plus de la touche du GPS. Moi non plus. Pas slash ou un truc comme ça. Je demanderai à Woody. Je peux faire avec le slash aussi. La radio. Ça. Avec le slash du GPS. On part en dépannage du coup. Ouais, y'a Jean avec. Hein. Tyler, t'as ta radio? Péter un câble là. Il l'a pas, il l'a piqué. Oh putain, ça va se passer ce truc, gros. Ah non, ça avance pas. Oh là là là. Ah, on va dépanner la petite dame du Life is Better là. Ah, Marnie. Marnie. Ah, elle s'aime pas, Marnie. Ouais, mais j'ai une petite touche avec elle. Oh, tu as touché quoi? D'après toi. Elle a touché la voiture aussi, hein. Moi j'ai fait ça. Oh putain, t'as y a les flics, ils vont nous rentrer dedans, ils vont nous dire ouais, oh, c'est votre faute, je sais pas quoi là. Là, là, non, c'est plus loin. Ah, ça va être un peu ici, à droite là. Et la voiture. Et là-bas, tu regardes, c'est là, c'est qui est là-bas. Non? Où ça? Ça vient d'appeler. Ça m'appelle. Oui, allô? Oui, allô? Tu vas jamais me croire. Qu'est-ce qui t'arrive, tu vois? J'ai une statue qui vient de monter dans la voiture. Tu es en garage, hein? Mais j'arrive. Il est pas possible, il me fatigue. Attends, je vais l'appeler, ouais, je sais pas où aller là. Oui, c'est Niklaus. Oui, oui, je viens de me rendre compte que 7252, c'était grand comme zip. Oui, c'est sur Dorset Drive. Est-ce que vous pouvez m'envoyer, est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit ouais, petit call de vous êtes, ça sera plus simple. Merci, ouais, c'est gentil. Je fais ça. À tout de suite. Alors, c'est assez grand, apparemment. Tac, c'est bon. Je peux le mettre. Ah oui, c'est juste à côté.
sa voiture rouge. Ça, je vais parler avec elle. Je... Dis juste de dire au camion, je fais pot de poète. Ouais, merci beaucoup d'être venu si vite. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas moi, c'est le patron. Il s'est planté. Ouais, il s'est planté. Du coup, il est parti changer là parce qu'il a. Il a fait un trou dans son costume, du coup. Ah, mais c'est la caisse du trou du cul, ça, alors? Ah non, c'est la caisse de monsieur Edouard par un trou du cul. Oui, mais c'est ça. Edouard du pigeon, là? De la colombe, oui. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Il m'a dit, je fais comme la colombe. Enfin, j'ai pas compris. Hein. Moi, j'ai cru qu'il chiait sur les passants. Mais non, il s'est juste planté. Ouais, voilà. Mais du coup, il y a que deux places dans votre dépanneuse. Je vais pas pouvoir venir. Non, du coup, ouais. D'accord, c'est pas grave. Je vais... Bah, au pire, tu veux Nikos, tu peux monter dans la voiture. Je peux... Ouais, je vais monter dans la voiture, du coup. Là, je crois que tu montes dessus, tu peux rentrer là dessus. Attends, c'est... Ah bah, il n'y a pas que du physique, madame, hein, il y a aussi de la tête, hein. Ah, je vois ça. Oh, casse-toi, toi, chauffard, oh. Non, je peux pas. Peut-être qu'il faut monter dessus avant de la prendre. Au pire, on passe un appel à la radio et on en a quelqu'un de... Ah, au pire, vas-y, pas... Ouais, sinon, non mais attendez, je viens de voir qu'en fait on est vraiment à côté du live, je vais... Ok, ça vous dérange pas? Ouais, non, pas du tout, je vais aller chercher un stagiaire, comme ça on pourra ramener la voiture et puis... En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous dépanner, madame. Ah bah, merci beaucoup, hein. Merci d'avoir répondu si vite. Et c'est l'autre qui conduisait, là? C'est monsieur Edouard, oui, il était tout seul, là. Et il a rien, ça va? Ah bah, il est parti aux EMS rapidement, oui. Yes, gros, il y a de l'espoir. Allez, à tout à l'heure, madame. Oh bah, il finira par avoir un chauffeur, mais ça court pas les rues, visiblement. Ah oui. Ouais. Ah, écoutez, avec un de ces quatre, on puisse aller prendre un verre tous les deux, si ça vous dit. Ah oh bah oui, avec plaisir, pourquoi pas. Ouais, j'ai un petit message. Merci, c'est gentil. Ça marche. À tout de suite. Tu vois comment on fait? Parti. Choper de la bourgeoise? Ouais. C'est de la thune. Ah, c'est pas faux. Après, ça traîne avec des trous du cul aussi, hein. Non, okay. Enfin, je t'avoue que si à chaque fois que tu sors du lit, il y a l'autre con là qui t'attend au plus vite. Jamais, gros. Peut-être le taxi là tout à l'heure, Douma là. Ouais. Il vient de revenir, apparemment il a un souci. Qu'est-ce qu'il a foutu ce con? Il y a une statue dans sa voiture. Une quoi? Une statue. Bon, il y a une statue. Une statue? Tu marques le garage? Ah ouais, je veux bien, voilà. Une statue? Apparemment, je sais pas ce qu'il va prendre, quoi. Une fatigue tous ce soir. Ah bah attends, c'est quoi en plus? Je sais pas ce que je peux retrouver, là. Il m'a envoyé une photo, attends. Oh, Tokyo Drift avec la dépanneuse, bon. Il m'a envoyé une statue dans sa bagnole. Putain, mais... Comment ça, une statue? Tu peux me transférer le SMS? Le SMS? C'est quoi ton nom déjà? C'est Jean Quatrel, gros. Jean Quatrel. Je sais pas si je t'ai pris un. Ah, c'est pas là, attends, on va se dépêcher au. On va se dépêcher d'y aller. C'est pas Jean Quatrel. Attends, je sais pas. Il y a ton numéro? Ouais, oui, 10h. Je sais pas, il y a eu un bug, ça m'appelle Rolastico aussi, je comprends pas. Rolastico? Ouais, je sais pas, c'est un machin qui déconne là. Une statue dans la voiture, mais qu'est-ce qu'il a branlé, gros? Jean Quatrel, le collègue. 555-60-52. Ah, mais putain, je suis allé trop loin encore, j'ai pas pris le bon plan. Je tapais. Voilà. Je te l'envoie. Ah vas-y merci. Ah oh, putain attends. Mais quoi? Mais c'est les mecs qui font les statues là et, sur les places du village, il faut la donner un C'est pas une statue de taxi. Mais quoi, oh?
Et s'il a foutu. Il dit les flics derrière, Philippe. Voiture de... Ils ont une voiture de flics. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Aide-moi. Oui. C'est quoi ça? Mais je sais pas. C'est monsieur là. Au début, tu sais ce que j'ai cru? Non. Que c'était mon téléphone. On va voir si tu captes un petit peu, d'accord? J'ai un vieux téléphone, d'accord? Ouais. Je me suis dit, le téléphone, quand j'ai pris la photo, par exemple, je me suis dit, il n'a pas chargé toutes les couleurs, tu vois? Ouais. Non, non, tu vois bien la même chose que moi, alors. La même chose que toi. Mais il parle, le monsieur, mais d'accord. Moi. On dirait pas un type, là, tu sais, qui a été... Si, c'est ça, grimé, ouais. Coulé dans du béton par la mafia. Ouais, mais il parle au moins, monsieur. C'est peut-être un mime. Monsieur, vous allez bien? Il a atterri comme ça dans ton véhicule? Un doigt? Attends deux secondes. Et... Je regarde un truc, j'ai les téléphones rapidos, vas-y. Attends. Le gars là, tu l'as pris ou c'est qu'il est atterri dans ta bagnole? Allô? Attends deux secondes. Hein. On va chercher les collègues. Et t'es là? Oui. Il y a Douma là-bas, il a une statue dans sa voiture. Bah c'est bien, alors... Qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais non mais, c'est bizarre, il y a un mec, tu sais, les mecs qui... Ils mettent en gris là, enfin quoi. Les mecs qui se mettent en gris, et je comprends pas ce que tu me racontes. Viens voir, tu vois. J'arrive pas à parler avec la radio là. Non, non, mais j'ai regardé sur internet. Si les statues elles peuvent devenir à la vie comme les gargouilles, tu sais. Et monsieur, vous entendez? Ah ouais, chelou. tu vois ce que je viens de te dire? Vous voulez que je sorte de là? Non, non, faut pas le sortir, faut que je l'amène quelque part, mais on dirait que c'est un type, il est sorti de la piscine de ciment que les mafieuseux l'ont voulu... Ah oui, clairement, hein, par contre, oui, ça c'est clair. Hein. C'est un peu chelou. Hop là. C'est un peu chelou, ouais. Je confirme. Et Taylor, il y a une statue dans la voiture. Pas Taylor, hein, j'ai dit que ça... Regarde la statue dans la voiture. Ouais, mais ça, c'est pas les mecs qui sont au bord de la plage. Peut-être. Tu leur donnes une pièce et ils bougent. J'ai de la compta à faire, attendez, j'arrive. Vas-y. Wow! Bon, allez. Ouais, c'est stylé, hein? Parce que vous avez essayé de lui donner une pièce? Je me suis dit au début, j'ai un petit problème de téléphone. Regarde, puis... Jean, va voir à l'arrière. À l'arrière du taxi, le monsieur. Mais gros, mais c'est quoi ce truc, gros? Mais gros, c'est quoi ce truc, j'avoue. Qu'est-ce qu'il y a foutu? Tu crois qu'il faut que j'appelle la police? Vas-y, appelle-la. Oh, monsieur, faut sortir là. Je crois que le mec, en fait, l'impression que le mec il est sorti d'un. Tu sais, il était dans du béton. Ça se trouve, il va être collé dans ta bagnole. Je crois qu'il est soit sourd, soit débile. Bah, peut-être qu'il a du béton, tiens, on dirait qu'il est tout mouillé dans du béton. Je sais pas, est-ce que j'appelle la police? Je vais pas les déroger possible quand même. Bah si, mais tu fais un message d'entreprise. Bah ça va, collègue. Hein, tu fais un message d'entreprise et tu dis que tu comprends pas, t'as un monsieur tout bizarre. Est-ce que j'ai ce qu'ils vont te dire? Bon. T'envoies la photo avec. T'envoies la photo avec, tu peux envoyer une photo. Je suis un. Auto. J'ai un type dans mon. Taxi.
taxi. Le mec qui a dû avoir un accident de ciment. Il y a un type dans mon taxi. Je crois. Ma future compagne. Je crois il est. Oh purée, une ambulance. Bon. Oh, là, encore. Vas-y. Une porte. Ouais. Tu as réussi à sortir la voiture C'est celui qui oh, ouais. Y a même moi j'ai voulu. Ah, c'est bon, j'ai récupéré un stagiaire. Oh, très bien, bah, on vous descend de la bagnole là. Ah, parfait. Je vais juste dire bonjour à Tyler, je reviens. Ça. Je récupérerai la voiture de monsieur Edouard. Hein. Ouais, vous récupérez la voiture du boss hein. Ouais. Ils vont vous lasser, ils vont la descendre. Ok. Je viens tout dans mon taxi, je crois. Je crois pigé dans le marbre. Du coup, si vous pouviez éviter de m'appeler, plutôt faire un message entreprise, ça m'arrangerait. Ouais, vous m'appelez directement. Vous m'appelez directement. Sinon, vous m'appelez directement. Ah d'accord. Oui, pourquoi pas, on pourra faire ça. On a un scoop pour vous. C'est vrai. Il y a un monsieur dans la bagnole, là, dans la voiture du taxi. Regardez, il dirait qu'il sort et il était dans du ciment toute la journée. Oula, oui. C'est pas quelqu'un qui fait des spectacles, là. Je sais pas, mais il répond pas. Ah oui, mais c'est normal, ces gens ils sont immobiles et puis ils bougent plus, on leur donne de l'argent, il me semble, j'ai déjà vu ça. Oui, c'est ça. Bah, c'est possible, hein. Parce qu'ils bougent hein, quand même, hein. Je pense que c'est juste. Il fait. C'est quoi, c'est le mime, c'est ça. Ah, c'est les speedy qui appellent. Ah bah, bon courage. Hein. Après, c'est une fille. Oui, bonjour. Ah oui, bon courage. Ouais, c'est bon, tu connais. Oui. Oui, bonjour. Donc vous serez disponible ce soir pour boire un verre. Il est tout. Bah alors je pars à Ibiza pour le week-end, mais la semaine prochaine. La prochaine. Avec grand plaisir. La semaine prochaine, on s'appelle et puis. Mais c'est ça. Je suis là souvent. Oui, mais j'ai bien vu. N'hésitez pas. Et moi aussi, je suis quasiment tous les soirs. Du tout, du tout. Ah bah parfait. Ah bah ce sera avec plaisir. Le monsieur coupe. Comment? Ah parfait. Merci beaucoup en tout cas. Non rien. Pour ça, c'est pour. Ok d'accord, j'arrive. On n'est pas tous comme Tyler. Oh, je l'adore, hein. Il est charmant. Oui, charmant. Salut les docs, ça va? Poupie, j'ai pas ton numéro. Oh, j'espère que la voiture a pas trop morflé. Ah, non, je pense que c'est un peu le carrosserie. Ils t'ont dit quoi du coup? Je dois aller voir la Mili Speedy, ils m'ont dit c'est un marteau et des burins. C'est ce qu'ils t'ont dit? Et tiens, regarde, ils sont là. Mais non, c'est pas lui. Et la commandante. Et le capitaine. Et la commandante. Ah oui. Commandante. Voilà. Il faut ah, donc, ou pas? Hein? Non, c'est bon, t'inquiète pas. Comment, tu l'as? Oui, oui, on commence à connaître. Et... Ça marche. Ouais, il commence à avoir du monde là. Il pas remarqué ah, on a reçu un appel. Eh, bouille ton cul là. Pour? Un non. Taxi au auto. Oui, il est là, oui. C'est oui, monsieur Thomas. Personne bloquée à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Nickel. Et la prochaine fois que tu veux que je bouge mon cul, tu demandes plus poli. Bah, j'ai un type à l'arrière, on dirait une statue. Il m'a dit amenez-moi bonsoir. À Little Seoul, d'accord, à la station essence. Ça serait pour une réparation. Sauf que depuis, il veut plus descendre. Je crois qu'il est figé, le type. Pas de soucis. Okay. Et j'ai le capitaine, il m'a dit. Qui c'est le taxi? Bah, j'ai le capitaine de la police, il m'a dit venez au commissariat. Peut-être que je vais voir si je peux le faire descendre. C'est la première fois que je vois une statue comme ça. Bien, va, je vous laisse reprendre le véhicule. Reste... Ouais. 4. Du coup, tu vas où? Tu vas où, Douma? Bah, je vais au commissariat. Ok, ok. Bon, pas de problème. Attention à toi. Vas-y. Mettre, hein. Je vais aller voir, je vais aller voir où ils en sont pour votre véhicule. D'accord, merci beaucoup. Vas-y, tu le fais cracher. Pour... Ah, t'inquiète. Mais je l'ai pas vu, il est là. Parce qu'elle est arrivée sur des panneaux, celle-là.
Ouais. Ouais, je l'ai descendu. Il mériterait même un petit coup de clé à molette, tu vois. Ouais, c'est fait, hein. Elle a déjà pris tarif, hein. Ah ouais, ouais. Mais sur ces modèles, vu qu'ils sont très bas, ça se voit pas trop. Moi, je lui fais une totale, hein. Est-ce que je peux aller voir ou est-ce oui, que c'est zone réservée? Ah bah merci. Moi j'y connais rien hein, aux voitures. C'est pas, moi je pourrais vous apprendre si vous voulez. Ah bah avec plaisir. Compliqué. Attention de pas vous après, casser la figure ma petite dame. Ah oui, bah, je m'éloigne un peu. Hein. Mais non mais ça m'intéresse. De quoi, les moteurs? Oh bah pas vraiment, les belles carrosseries plutôt. Ah, c'est vrai qu'elle a de belles courbes celle-là. C'est vrai. Hein. Je pense qu'elle a été dessinée sur une femme. Oui. C'est peut-être pour ça que le patron l'aime autant. Là, vous avez un lien de parenté avec votre patron, vous? Nos papas, ils se connaissent, oui. Ils vont au Rotary Club ensemble, mais on n'a pas de sang en commun, non. Mmh. Effectivement, si je suis là, c'est parce que nos pères se connaissent, quoi. Ok, ok, ça s'explique. Il ne serait pas venu à l'esprit de venir à Los Santos. Hein. Ok. Il n'y a pas assez de soleil pour moi. C'est déjà un rayon de soleil, madame. Oh, bah c'est gentil. Vous allez me faire rougir. Je vais être aussi rouge que la voiture. Oh, putain, après, les yeux. C'est pas mon but, vous inquiétez pas. Ah, je m'étonne. Mais Jeannot, tu devrais tester des lunettes en vrai. Ah, mais j'aime pas, moi je transpire dans les lunettes. Ouais, ça... Bah, tu transpires des yeux? Des aviateurs, c'est léger. Bah ouais. Je les sens même pas, moi, en vrai. Ah, mais je sais pas, je suis pas convaincu. Moi, tu sais, moi, quand je saute, je ferme les yeux et c'est pas si bien. Moi, c'est l'inverse. Sans lunettes, je suis pas bien. Ah bon? Ah ouais. Je vois clair encore, tu vois, donc tant que je peux pas avoir de lunettes. Ah, moi je crois que c'est tant plus jeune à tout entraîner dans le désert, ça a dû péter la rétine. Ah, je passe pas un coup de chiffon, mais ça me fait trop mal. Hein. Ouais, je vais le faire. Ah, je vais le faire, vas-y, laisse, je vais le faire. Et on l'a fait à qui la facture du coup? Il est pas là le monsieur? Moi je vais la prendre. Salade? Ouais. Je vous fais la facture à vous, madame, pour la voiture? On facture les interventions dépanneuses et tout. Hein. Je sais pas comment ça se passe. Non, dépanneuses pour l'instant, on n'a pas discuté. Ah, vous avez de la chance, madame. Oh, bah, c'est pas grave. Hein. T'as des sujets de ce soir. Bonsoir, madame. Bon, le chef, il sera là, quoi. Moi, j'aurais pu payer. Hein. C'est pas un souci, c'est normal de payer le déplacement. Ah bah, vous nous donnerez un petit pourboire. Ah, bah oui, ça toujours, hein, de toute façon. Attendez, je vous le donne tout de suite. C'est grand ce que vous faites, madame. Oh bah non, vous inquiétez pas, hein, c'est pas grand chose. Merci beaucoup, madame. Ah, le patron me dit de vous dire de faire attention aux traces de main sur le capot. Ouais, c'est bon, je vais la nettoyer de toute façon. Je vais la nettoyer un instant. C'est bon pour la facture? Ouais, vous avez dû la recevoir normalement. D'accord, mais je la vois pas encore, mais je la paierai tout à l'heure. Ouais, ça roule. Parfait, bah merci beaucoup. Hein. Bah, merci à vous, madame. Oui, et puis bah. Ce sera un plaisir de vous revoir, mais si c'est pour un accident de voiture, pas trop. Ça va repasser en dehors de ça. Ah, si on se revoit pas d'ici là, on se verra la semaine prochaine, oui, du coup. Ça. Oui, oui, avec plaisir. Et puis passez un bon week-end. À vous aussi, du coup. Vous la sortez du garage? Ouais, je vous la sors. Oui, ah, parfait, vous la merci sortir. Beaucoup. Pardon. Putain, elle a pris cher, celle-là. Elle est défoncée celle-là. Mais comment elle est défoncée là devant? Oh là 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 là. Elle est un peu plus aérodynamique, je pense. Je sais pas ce qu'ils ont branlé avec, mais.
Attends, parce que là, faudrait redresser un peu le bouclier. Comment tu fais pour choper la clé à molette hein, je sais pas, j'y arrive pas non plus. Putain, oh, c'est terrible. Mais comment pour choper la clé à molette? Et tu sais comment on fait? Choper la clé à molette. Pourquoi? Laquelle? Quand on veut prendre la clé à molette dans la main, tu sais comment faire, non? Parce que j'essaie d'utiliser la fameuse molette de la clé, tu vois, mais je... Pas non plus, j'y arrive pas. Après l'arrière, pour ça, faire ça, hein. Ça hein. Comment prendre la clé à molette dans la main? Et Taylor? Je vais faire un tour au U. Ah oui, un tour au U, oui. Tu sais comment on fait pour mettre la clé à molette dans la main? Mais relève-toi, collègue. Ah, quand même. La clé à molette dans la main? La prendre dans la main, tu vois. Parce qu'on essaye, tu vois, on va redresser le truc là. Et faut que tu effectues l'action de. C'est une action peu probable, mais faut que tu tabules très fort. Je me quoi? Ah d'accord, je vois. Ok. Ah ben voilà. Et quand tu... Sinon t'es... Quand tu vas sur ton téléphone et que tu tapes une fois rapide, tu retapes une fois rapide... Oh, pardon. Mais bordel, putain, le martien. Oh là, c'est con, ça... Excusez-moi, gros, j'ai glissé. Ouais, t'inquiète. Mais gros, tu me fais ça, tu me fais ça. Ah gros, tu m'as défaussé ma chambre. Excuse-moi, putain. Aïe, aïe, aïe. Excuse-moi. Ah, bah, c'est un outil puissant, quoi. Ça va. Attends, je vais appeler les mecs, quoi. Ouais, si, je veux bien. Je suis désolé. Mais franchement, je suis vraiment désolé. Aïe, je comprends, tu as voulu faire ton travail, tu te laisses emporter. Non, c'est pas ça. J'ai fait le changement en manette et clavier, tu vois. Hein, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment contre moi, quoi. Non. Passe au UU, vite fait. Vas-y. Ah, ça va. Attends, je l'appelle les EMS. Non, moi je vais plutôt aller faire un petit séjour aux EMS, je crois. Ok. Allez, à toutes les copains. Allez, amuse-toi bien au UU. Ouais, merci. Ouais, tout à l'heure. Allez, à plus. Comment on fait pour les EMS? C'est 555 EMS, je crois. Je sais 555 EMS. Ben, je vais essayer. Tu les appelles? Ouais. Je me fais même plus chier. Au lieu de LSPD, je. Même plus de respect. Ils ont fait encore? Taylor? Oui. Est-ce que tu peux appeler les EMS, s'il te plaît? J'arrive pas. Putain, et tu me prends pour ton chien, quoi? S'il te plaît. S'il te plaît. C'est pour moi. Donc c'est pour lui, je vais lui mettre un coup de clamolette sans faire exprès. Un coup de clé à molette, je vais appeler Doug, il va être content. En fait, il faut bien se jeter au sol après. Dimitri, est-ce que Doug il est là au moins? Enfin, avant, j'avais mis un petit coup de pied aussi, donc je me. Mais j'ai pas fait exprès, j'ai vraiment pas fait exprès, je suis vraiment désolé. Un peu de sang dans le cou derrière. Ah, si, un petit peu, ouais. Doug? Ouais, bon, t'es déjà le boss. Je te dépose un collègue qui vient de se prendre un coup de clé en glace dans la gueule. Oh le speedy, je vais dire juste. J'emmène. Matricule s'il vous plaît. Et à tout à l'heure. Merci. J'emmène Jean. J'emmène Jean. EMS. Ouais, pas de soucis, bah, je peux pas venir avec vous, t'as un commu, t'as un commoto. Wow. Ouais, donc ils t'ont dit quoi, les speedy? Il fait « Ah, vous avez fait du bon travail, oui. Je suis en train de matricule, s'il vous plaît. » Non, ils partent. Ah non, vraiment, ils sont partis sans masque. Et j'ai fait « Bon, mais les gars, à tout à l'heure. » Et ils m'ont fait « Ah, ouais. » C'est sûr. On donnait le matricule? Ouais. Non, mais c'était pas 59. De toute façon, c'était moi 59. Ouais. Celui-là qui te donne pas de matricule, tu mets sur 59. Non, pas attends, con. Tu connais. Par exemple, là, tu vois la crête. Ça. La crête, c'est 59. Celui qui a toujours une cigarette ou un cigare dans la bouche, là, c'est le 20, le 25. Lui aussi, il passe beaucoup. Après, il y a Jackson. Matricule 20. Là, Jackson, il m'a fait. Il avait pété, je crois, deux portières. Et on lui fait, bon, bah, tout à l'heure. Et moi, je lui fais, dans 5 minutes, il a fait tortue. Il a fait le message en entreprise, ouais. Et il a envoyé sa collègue,
sa collègue aux OMS. T'as mis un message entre eux ? Ouais, ouais, mais je l'ai supprimé là. Donc vous le verrez plus. Ah oui, putain, j'avais oublié de le supprimer. Ça, j'ai pas le réflexe de supprimer. On peut pas appeler les OMS directement par un bouton, hein, c'est nul. Ah bon ? Tu peux les envoyer un message, mais après, je crois qu'ils peuvent t'appeler après. Ok. Ou alors, faut avoir. Bah, le numéro de tous les EMS. Vous avez le même souci quand vous regardez les sous que vous avez en banque ? Oui. Oui, c'est normal. Pourquoi c'est normal ? Je sais pas pourquoi tu as une différence entre. C'est quand tu as ouvert les yeux à. Le truc tout en haut, c'est quand tu as ouvert les yeux, ce que tu avais. Ah, d'accord. Et... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, j'ai compris. Merci. Et après, le reste, ça défile. Mmh. En tout cas, j'ai un ticket avec la petite dame du Life Invader. Là. De quoi, la blonde là ? Ouais, j'ai un petit rendez-vous galant avec elle la semaine prochaine. Là. Ah, mais elle était pas maquée. Ah, non, elle est pas maquée avec Jean-Marcel là. Jean-Claude là. Non, elle est pas maquée avec. Ils sont tout le temps ensemble. Ah, Edouard de la Colombe ? Parce qu'ils travaillent ensemble. Ouais, Edouard de la Chiasse de la Colombe. Ah. Le boss il m'a dit qu'il lance un SMS. Il a fini les WL, il est là dans 20 minutes. Bon, nickel. Oh, c'est bon, maintenant vous avez appris à prendre la clé anglaise. Ah ouais, ouais, mais je voulais mettre un coup à la voiture et en fait j'ai mis un coup à... Non, alors, oui, alors, d'abord, la règle maintenant de la clé anglaise, c'est on s'écarte tout le monde. Je prendrais plus la clé anglaise dans les mains, c'est marrant. Non, regarde, tu fais le geste. Et hop là. Oui, non mais alors ça, faut... oui, mais après il faut avoir les réflexes, oui. Bah oui, mais oui. Attends. Oui, mais toi, t'as... Non, 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 attends. Avant de, faut tester au loin. Tu fais le geste et après tu fais. Ah, comme ça. Ouais. Ça voilà. Mais ouais. Et quand t'as un peu d'expérience, en fait, tu fais vraiment le geste et hop là. Tu vois. Vas-y, attends, je réessaye. T'as vraiment le geste. Attends. Couche de froid, hein. Oublie pas de te coucher hein, parce que sinon tu vas. Je n'ose pas. Vas-y, ose. C'est pour que t'ailles aux EMS encore contre moi, on va dire que je vous tape après. Vas-y, tente. Tu veux que je tape ? Tu veux que je tente ? Vas-y. Tu veux que je t'aime ? Au cas où je me suis couché aussi. C'est bon, c'est nickel. Tu vois ce que je veux dire maintenant? Et quand même, j'ai le doigté hein, parce que du coup, pour pouvoir taper, je suis obligé de prendre la. Toi, je suis obligé d'être avec ma petite manette, tu vois. Et du coup, je mets dans les mains, je fais en même temps la touche, tu vois. C'est ce que je veux dire. Alors, par contre, des fois, bah, il est raté loupé. Hein. Ouais. Mais t'as un pourcentage de. D'éviter les EMS pour quelqu'un, tu vois. Après, tu peux essayer sur le patron aussi. Je pense qu'il. Tu peux lui faire la blague, je pense. Qu'il va... Ah, après, traiter de machawash, tout, c'est marrant. Mais après, ça. Bon, ça vous plaisez bien ici, les gars ? Ouais, nickel. Ouais, ça va. C'est bien. Vous avez un peu de sous en banque, vous arrivez à faire un peu de mail ? Ouais, c'est bon. Vous avez combien en inscription, les gars ? Je suis à 30, bientôt à 38 000. Oh, non. Tu vas faire du fer, non ? Ah, d'ailleurs, non, bah non, j'ai même pas été encore payé pour le fer là, aujourd'hui. 35. J'étais en fer tout à l'heure aussi. Ouais, moi j'ai 20 000. Je suis là que le soir. Ouais, bah je suis là que le soir aussi. Ouais. Mais tu veux faire du fer ? Pas beaucoup. J'en ai pas fait beaucoup depuis que je suis là. Ouais, après, le fer, ouais. Un petit peu, ouais. Par contre, le fer, si le mec qui veut vraiment faire que ça, il peut, je pense qu'il peut, oui, il peut se faire un peu de pognon. Ouais. Et du coup, le fer, tu le notes comment, attends ? En gros, le fer, tu notes, en gros, le patron te donne. C'est un dollar. Ouais, c'est un dollar, c'est ça. Et tu le notes où, du coup ? Alors, sur la compta. Ouais. Dans stock. Donc, quand t'es dans auto, t'as le truc avec tous les noms de tout le monde. Ouais, achat, ouais. Non, ça c'est quand t'achètes à des gens. À des gens, ouais.
C'est à droite. Et compteur perso de... fer. C'est ça. Voilà. Ouais. Le... Ah, mais il y avait place là pour mettre acide. Si, si, t'inquiète. T'en as un qui est toujours au top. Ok, c'est bon. Toc. Non, après le l'intranet est bien fait. Ouais. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait, mais franchement, bien. Oh, j'ai même pas vu qu'il y avait une voiture. Non plus. J'étais bien dans l'intra là. C'est bien réactif. Oh purée, la carte. La carte. Oh, oh. Quoi? Hein? Ouais, ouais. Non, mais j'étais en train de regarder la carrosserie. La voiture, je la trouve plutôt jolie, mais. Il n'y a que 20% de carrosserie. Et... Ouais, mais regarde, c'est... si t'as pas les vitres. Oui, non, mais. T'as le pare-buffre. Ouais, le pare-buffre est. Ah, quoique, ouais, putain. Ah, oui, oui, oui. Regarde juste là. Il est mort le pare-buffre. Ah, ça doit être le pare-buffre qui doit te faire alors, parce que. Parce que des fois, sans les portes. C'est assez bizarre. Ah bah je crois que le patron il arrive. Ah. Ouais, un petit message, il va me dire je vais pas tarder. Très bien. Défonce-le, défonce-le. Tout le monde laisse comme ça, tu reviens pas. C'est de manger. Je suis en train de la réparer s'il te plaît. Pardon. Ça va, j'ai pas touché la voiture. Et vous avez pas rendez-vous au... Si, 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 on a rendez-vous. Tu veux faire le monsieur là-bas? Non, mais c'est... C'est Dixon? Dixon, ouais. Ouais. Ok, ça a défoncé. Tu crois? Oui. Ouais. Peut-être... Bonsoir monsieur. Ouais. Est-ce que je pourrais avoir un permis de conduire s'il vous plaît? Ouais, bien sûr. Pas de problème, c'est un de chez nous. D'accord monsieur Dixon. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi je vous contrôle? Ah, parce que vous avez peut-être freiné un peu fort en arrivant. Un peu fort, un petit drift et peut-être une petite vitesse excessive en venant de là-bas, oui. Oui, je l'avoue, c'est vrai. Vous êtes connu de nos services de police, monsieur Dixon? Absolument pas, non. Et ben, je vais vérifier. Ils ont de bons yeux quand même pour aller. Ouais. Vu qu'ils sont en train de casser les couilles à Dixon, tu mets kit carreau et kit moteur. Ouais, ouais, pas de soucis. Et ils ont de... Et franchement, ils ont. Ils voient bien quand même. Il y a un accès de vitesse. Ouais, en fait, il arrive. Et en fait, il est arrivé de là-bas. Et ils viennent de dire ouais, vous êtes arrivé en accès de vitesse, vous avez fait un petit drift juste là. Ils ont des preuves. Vous avez fait l'effort. Ouais, bah, ouais, ils ont, je sais pas, un excès de vitesse, encore le drift. Après, il faudra voir avec le boss et savoir si. Pour leur casser les couilles, de faire juste les contrôles, mais à l'extérieur. Juste là-bas. Ouais, ils contrôlent pas les clients sur le parking. Ouais. Parce qu'ils commencent à. Ils se croient chez leur mère là. Ça fait le deuxième en une heure. Ok, je vais voir ça avec le boss. Regarde, il arrive. Bah, il arrive. Regarde ça.
Putain, c'est qui le Machawash là qui s'est pas roulé? Ah, boss, ça va? Attention que je ne dégraisse pas. Bah, c'est joli, hein. Quel Dixon, on leur a mis la totale. Bah, après, c'est normal, hein. Non, c'est pas normal. Si bien, bonne soirée à vous. Moi, c'est arrivé comment ça? Et Woody? T'as la forme, Nicolas? Ah, là, un souci, là. Ah, c'est quoi le problème? Les flics, ils se refilent leur merde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça fait deux fois qu'ils contrôlent des clients sur le parking. Sur le parking là? Ouais, ici. Ouais. Oh, ça tombe bien que ça arrive aujourd'hui, ça. Mais sûrement, en plus, patron. Hop, j'avais rien vu. J'ai pensé tout à l'heure quand on est avec le commissaire. D'ailleurs, est-ce que je dois des sous à quelqu'un? Parce que là, faut avec Niklos, faut qu'on aille au bureau faire la paperasse pour aller voir. Alors, patron, moi, c'est un message de la part du UU. Vous leur devez une facture et ils ont dit putain. Que. Je vais passer voir. Je vais passer voir juste après le rendez-vous. Carrie, il a fait des bêtises, toi, quoi? Non, il a fait quoi comme bêtise? Il a échoué une bagnole, il s'est fait arrêter, sauf qu'il était encore avec les outils de travail de l'entreprise. Ah oui, on a parlé de ça. On en a parlé de ça. Faudra qu'on discute avec lui dans le bureau. Hein. Tout simplement. Faut que je tape ouh, tout simplement, mais juste tac. Mais Zach, c'est un petit con, il faut qu'il appelle. Ouais, c'est un petit jeune, faut juste. Bah, c'est normal, c'est expliquer, déconné, voilà, c'est sûr. On l'a tous fait. Hein. Et après, il y a Tyler. C'est pas mauvais bouge. Il a fait encore de la Tyler. Quoi. Ouais, Tyler a fait de la Tyler, il a failli se faire embarquer par les flics. Il était désagréable. Menotté. Avec, trois clients. Il a été menotté. Oh putain. Edouard qui m'a envoyé un pavé. Je voulais juste le début. Woody, mon ami. Tu sais que c'est pas mon genre de cafeté. Mais Tyler, il se prend un peu pour le boss quand t'es pas en ton absence. Il a même. Continue, vas-y. Attendez. Faut que je. Il a même pris notre place de parking, dis-toi. Qu'est-ce que je réponds au type? Ah mais lui on a vu plein la gueule. Oh, merde. Tu n'auras pas de promotion pour l'instant. Attends, je vais le virer, t'as raison. Je vais le... Un petit smiley, tu m'as un petit smiley. Tu as raison. Un petit smiley. Il va peut-être pas le prendre si je m'as smiley, il va croire que je me fous de sa gueule. c'est de l'humour. En même temps, c'est de l'humour. En même temps, je crois bien que si demain il vient et il voit Tyler en tenue, il va voir que tu te fous quand même de sa gueule. Ouais, c'est vrai. Au moins le petit smiley, ouais. Au moins, je dis, qu'est-ce que tu veux que je passe? Tu veux que je le licencie? En gros, c'est ça. Le truc, c'est tu veux que je le licencie? Vas-y, je vais m'habiller du coup, si on est sur OZMS. Ouais. Non, je vous donne des sous. Tu peux aller le voir sur le parking? Il arrive le boss ou pas, Niklos? Il est là, boss. Au bout de 5 minutes, il a pété deux voitures. Tu peux la mettre sur le parking et dire. Ah, ça va mieux, c'est bon? Niklos, on se remet en pneu, du coup, c'est le commissaire qui vient ici. Oh, pas trop, non! Hey, coco! Allez, vas-y. Bon, on va rester ici, du coup, c'est le commissaire qui va venir à nous et nous, pas nous qu'allons venir au commissaire. Ok, pas de problème. Tac, comme ça au moins, on fait pro, parce que j'étais toute la journée sur ma tenue, moi je suis un gros con. Quoi?
J'ai plus de garagiste. Ouais, mais ouais, pour le principe. Ouais, mais pour le principe, j'en parlais au commissaire. Parce que on est bien gentil. Vraiment, on est bien gentil avec eux. Ils viennent de mettre appel à la loi à Dixon sur le parking du garage, là. Ouais, ouais, mais je lui en parlais au commissaire. Ils font des contrôles sur le parking. Non, sur mais parking après, privé. Après, c'était sur la route quand ils m'ont vu. Oui, bah ils font le contrôle mais après. Contrôle, ils te demandent de sortir. Ouais, normalement, ils doivent t'attraper à l'extérieur. Hein. Ils sont propriétaires. Alors, autant ça serait un parking d'un supermarché, c'est pas pareil. Là, c'est un parking privé. Voilà. Et réservé à la clientèle. Hein. Bon, du coup, ils m'ont dit que j'étais chiant, mais ça, je le savais. Oui, bah ça, maintenant tu vois pas de place chaque fois que quelqu'un te dit que t'es chiant. Hein. Ah bah non, je prends ça comme un compliment. Oui. Et il y a la patronne du Life Invader, je crois, elle crush sur moi, c'est un peu chelou. Désolé, Niklos. Désolé parce que on a un rendez-vous ensemble semaine prochaine pour boire un verre. Oh, tu me sauves la vie, mec. Niklos, à chaque fois, c'est mon coup, il faut vraiment qu'on remplisse la paperasse. Il faut que je rembourse les sous du collègue. Hugo, tu viens voir dans le bureau dès que. Tu dois combien, toi, Taylor? 1664. C'est marqué sur la compta, normalement. Ça part la compta. Ouais, bah, retour de la compta. Merci pour le suivant. Ah, de rien, pas de problème. Je supprime ma ligne, c'est bon. Ok, nickel. Ouais, pas de souci, on est tout bon, on est tout bon, on est tout bon. T'as pas fait de fer, t'as pas assez de fer non plus. Non, moi je sais pas. Ok, ça marche, bah, c'est tout bon. Alors. Bon, bah, c'est dans le bureau s'il y a besoin. Ok, mais pas ça. Et je serai sur la radio aussi. Ah oui, toi, tu dois faire une réunion aussi. Hein. Ouais, je sais, mais normalement, j'aurais dû être là beaucoup plus tard plus tôt. Mais j'ai dû regarder une série là, sur la télévision Whitelist. Ouais, ils ont expliqué W, ou je sais pas quoi, on a pas compris. Mais on comprend. Parce que ce que j'ai dit, c'est qu'apparemment, c'est ma petite qui est gagnée, il y a 7 voix pour moi. Ben, c'est une étoile quand j'ai fait le point. Non, au final, demain, la soirée, on va picoler un peu plus tard que si je voulais qu'on picole, et puis on discutera avant de picoler. Quoi. Oui, tranquille, boss. Ok. Ça fera du bas. Ça va faire un peu tard. Faut que je vire le poste initial, il va être minuit derrière. Et puis moi, je vous avouerai que demain matin, je vais entre le kiné pour ma bouche et le fait que je vais comater un petit peu pour attraper le sommeil de la semaine. J'imagine même pas à quel point je vais m'écrouler par terre à dormir. Là. C'est tout pareil. Mais c'est pour ça que je vais enchaîner, je chope du Nico. Tiens, Hugo, combien tu dois, Hugo? Bonjour, monsieur. Bonsoir. Ah, bah, combien tu dois, Hugo? Tu me dois, alors attends. Mode donc, c'est Chris Velala, c'est un nouveau. Bienvenue. Ah non, faut que j'y retire un peu. Salut à toi, Maroud. Maroud, putain. Bienvenue à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton follow. Tu m'as dit combien? Parce que j'ai mémoire de poisson rouge, tu sais. 712. C'est combien le montant déjà d'un kick-off avec une moteur pour les SPI? 510. Non, 250. 250. Unité. Oui, unité. Alors, très rapidement. Juste, j'aurais besoin que tu me comptes pour la SPD Niklos combien de réparations moteur on a fait. Réparation moteur. Ouais. Pourquoi? Parce que si tu regardes le document, il est déjà devant, là. Il attend qu'on aille le voir. Donc on va essayer de faire ça très vite pour avoir le calcul. Moteur. Ouais, mais il a pas fait... Si, quand t'es dans le papier. Non, il y a plus kick carrosserie, 80, kick carrosserie, oui. Plus kick moteur, 41. Et la totale, il y en a 1. Oui, mais attends, que je t'explique en ayant le truc sous les yeux. Quand t'es dans l'onglet LSPD, ouais. Pas Stat LSPD. Ok, oui. Parce qu'en fait, on a le Stat LSPD, mais pour cette semaine, il n'est pas complet, tu vois. D'accord, ok. Il sera full complet pour la semaine prochaine. Donc tu veux juste un kick moteur? Dans LSPD, je veux que tu vois... Attends, j'ai loupé un truc ou pas? Stat, pourquoi? Un kit... Ah, mais attends. Ah, mais si, on a toutes les stats, en fait. Oui, il y a tout. 80 kits carreaux, ça fait 122 au total. 122 et il y a eu kit moteur, il y en a eu 42 du coup. Entendu?
Ouais, 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 de 42 kits moteurs. Ouais, donc c'est, on est sur ça, 42, on est sur le bon chiffre. Parce que si on fait, il y a eu 41 voitures, il y a eu réparation, carrosserie et moteur. Il y a une voiture, il y a eu carrosserie, moteur et pneus. Oui, c'est ça. Donc on est sur 42. Au total, carrosserie, on doit être sur 122. Non, 121. Non, non, 122, carrosserie. 122. Ah oui, ouais, 122 et pneus. Ouais. C'est ça. Ok, bon, on a tout, ouais. on a toutes les stats. Ok, parfait. Je garde les stats à côté de moi. Ouais, tu gardes les stats, tu restes ici, je vais chercher le commissaire. Vas-y, vas-y. Que je compte ou quoi? Ouais, si tu peux préparer les montants, tout ça. De toute façon, on va en reparler avec le commissaire. Je vais lui expliquer, on va faire le commissaire. Là, on m'a bien pour un quart d'heure, 20 minutes. Là, on vient avec moi, on va pas aller dans ce bureau, on va aller dans l'autre bureau. Ok, attends, je vais les gars. Bonjour messieurs, messieurs, fait patienter. Hein. Bon, il y a pas de mal. On va pas aller dans le bureau qui est ici, je vous emmène dans l'autre bureau. Ça. C'est bon, allez, c'est parti. Un petit peu moins de bruit. Nickel. C'est bien ça. Ouais, vas-y. Bisous bien. Tu sais pas ce qui arrive à tout moi. Il m'appelle. Dixon. Les garçons, je suis dans le bureau avec les agents de la LSP. Oui, allez-y, allez-y. Là-bas. Nikos à la radio s'il y a besoin. Moi, je l'ai pas. Vous voyez que votre pantalon brille là, non? Oui, bah c'est la tenue qui sera mise au choix des employés pour la saison hivernale. Parce que j'ai de gros projets pour le garage, on a envie de se spécialiser dans le tuning, tout ça. Et ouais. On avait envie d'avoir des tenues en adéquation avec le tuning. Je vous laisse vous installer si vous voulez vous installer. Ouais, vas-y, moi j'aime bien. Bon, si j'aime bien moi, être debout. Je préfère être debout. Je fais beaucoup de paperasse assis, donc ça m'emmerde un petit peu. Vous avez une directrice secrète? Oui, oui, c'est une petite dame. Oh, ça m'emmerde un petit peu, mais bon, c'est toujours gentil une petite fleur. Ah, je préfère les roses noires, mais bon, une rose rouge, c'est bien aussi. Ah oui, d'accord. Alors, que je reprenne un petit peu toute la faire les comptes. Hein. Voilà, tu me diras si je dis vrai, Niklos. Mettez-moi la douloureuse directe, comme ça. Je suis en train de la faire, commissaire. Parce que je peux déjà vous donner un petit peu... l'état des lieux, les passages qu'il y a eu. Ouais, on verra après. Ah, d'accord. Je préfère avoir ma douloureuse avant. D'accord, vraiment la douloureuse en première. Que ça m'énerve bien là, avant qu'on parle de choses comme ça. Ouais. Ok, ça marche. Ouais. Bah, je laisse Niklos finir de faire le petit calcul. On vient tout juste de finir de finaliser. D'accord. Si ça peut vous rassurer, moi je m'attendais à ce qu'on ait un petit peu plus. Ah ouais? Oui. Bah moi j'espère m'attendre à ce qu'il y ait un petit peu de moins alors. Ok, j'ai le montant. C'est bon? Eh ben vas-y, je te laisse annoncer. Ouais, je vous écoute. Le total complet. Le total complet, 41 250. Oh. Ouais, c'est le prix d'une voiture. Ouais, c'est une bagnole entière. Ouais. Alors, pour ce montant-là, on parle bien uniquement des réparations. Oui, carrosserie moteur ou carrosserie moteur et pneus. Pour vous donner les stats, nous avons 80 de vos véhicules qui sont venus pour des réparations uniquement de carrosserie. Attendez. Oui, prenez de quoi noter. Ouais. Tranquille. On a même le matricule par personne, on peut vous dire. On a tout. On a absolument tout, mais on va y aller étape par étape. 40, combien 1000 40 41 250, commissaire. 41 250. Et 80 véhicules? Alors, 80 véhicules qui sont vus uniquement pour une réparation de carrosserie. D'accord, c'est bien ça. 80, ok, une carrosserie. Nous avons 41 véhicules qui sont venus pour une carrosserie et un moteur. Mais... Alors, si vous voulez, je pourrais vous donner moteur. Du nombre de courroies, du nombre de transmissions, d'injections qui ont été cassées, mais je préfère vous résumer moteur, faire la globalité. Ouais. Et nous avons un véhicule qui a eu besoin de carrosserie, moteur et pneus. Ah. Vous avez le nom de lui, là? Oui, le retrouver, je pense. Je vais vous dire ça tout de suite. La totale. C'est bien son matricule, hein, celui-là. Tu veux que je la cherche en même temps ou pas, Nico? Non, je l'ai. 13, le matricule. C'est joué à douter. 13. Okay, c'est vous, ça? Bah oui, c'est moi. C'est le 19. Hein. Ouais, 19. C'est quand je faisais passer les tests. Les tests? Comment mais ça? Les tests de conduite.
Bah, pourquoi il y a un pneu qui a pété, expliquez-moi. Eh bien, il y a l'aigle qui a pris les murs, quoi. Ah ouais. Il m'a voilé le pneu. Ah d'accord, ok. Ok, ça roule. Et au niveau des stats, du coup, donc 80 voitures carrosserie, 41 carrosserie moteur. Oui. Et une seule carrosserie moteur et pneus. D'accord. Vous donnez un total de 122 véhicules que nous avons pris cette semaine. Ok, oh, putain, la vache. On peut vous dire aussi, si vous voulez, par matricule de... Oui, j'y viens, Nick. Okay, t'inquiète pas. Excusez-moi. Excuse-moi, Bass. T'inquiète pas, pas de problème. Ouais, le classement, ouais. Ouais, le classement. Moi, c'est un classement surtout sur... J'en ai 4 qui sortent du lot. Ouais, mais c'est pas sur le nombre de fois qu'ils viennent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est combien ils m'ont coûté. C'est possible, je peux lui dire. Ouais, c'est possible. Vous voulez pour tous? Premier, deuxième et troisième. Ok, bah, je vais vous dire ça. Parce que je peux vous dire ceux qui nous ont ramené le plus souvent. Ouais. Nous avons... vous voulez que je commence par le top du top? Le troisième, et commencez par le troisième. Le troisième. Alors, le troisième est en égalité. Ah, ok. Avec 10 passages au Autos Garage, le numéro 32 et le numéro 07. Alors, 10 passages. 10 passages. Putain, je sais que je vais faire affler. Passage. C'est 32. 32 et 07. Bref, ça prendra un peu de temps par contre à calculer. Ok. Au suivant. Oui, c'est le premier du coup. Non, ça c'est le troisième, celui qui est venu. Troisième ex aequo. Troisième ex aequo, donc de place 3 et 4. Et vas-y, Niklos, prends le temps. Oui. C'est surtout pour les 4 que je nomme là. Donc 07. Oui, je suis en train de faire. 07, 32. En deuxième place, ouais. Avec 11 réparations. Nous avons 11 passages. 11 passages, oui. Ouais. Nous avons 20. Ouais. Et tout seul. Il est tout seul. Ok. Et en première place, ouais. Avec un total de 15 passages au Autos Garage, nous okay. avons l'agent numéro 25. Oh putain, j'ai eu peur. 25. 25. Ok. Oh, putain, 25. Voilà, 20... après. À titre informatif, nous avons 59 qui a 9 passages. Attendez. 9 passages. 59. Ok. 88 qui est à 8 passages. 8 passages. Je regarde. Nous 88. Avons 53 qui est à 7 passages. Attends, c'est moi. Central 14. 7 des 6. Est-ce que j'ai des 6? Nous avons 10 qui a 6. 6 plutôt pour 10. 6 passages et c'est 10. 6 passages pour numéro 10. Ouais. Là, nous avons plusieurs ex aequo à 5 passages. Nous avons 12. Ouais. 13. Ouais. À 5 passages. Nous avons 72. Ouais. Et c'est tout. Ok. À 4, après, je peux tous vous les faire. À 4 passages, il y a 98. Ouais. 74. Ouais. 4. 09. Ouais. Et 01. Donc alors en fait, voilà. Ok. Alors non, c'est pas en passage. C'est pas en passage. C'est pas en passage que c'est calculé chez nous, boss. Ah, j'ai fait une merde. Non. Ah ouais, j'entends ça depuis tout à l'heure pour rien. Non, en fait, quand il y a marqué 10, boss, c'est que c'est... Ah, c'est 10 kits. C'est 10 kits. Les pièces, quand il 10 kits. Ah, ça va servir au même pour vous au final. Oui, oui. C'est vraiment ceux qui nous ont coûté le plus cher. Voilà. Oui, c'est bien. Mais pour moi, ça m'arrange parce que du coup, le calcul va être plus simple. Ouais, je comprends bien. Donc j'efface tout ce que je viens de noter. Non. Et c'est pas en passage, c'est en 10 kits. C'est pas en passage, c'est en argent que ça vous a coûté. Là, vous avez vraiment l'ordre de ceux qui vous ont coûté le plus cher. Le nombre de passages. Vous pouvez me dire, en fait, ça va être plus simple pour moi, le prix. Ouais. Je vais vous dire. Je vous dis ça tout de suite. Donc 7, 10 000. Alors attendez. Donc 7 et 32 1000 mon troisième ex aequo et ils m'ont coûté chacun 10 000 10K. Ok. 11 2750. Ah, de 10 000 à 2550, c'est ça? Non, c'est 2000. J'ai dit 2000, autant pour moi. Ah putain, j'ai cru 10 000. Ouais. Non, 2000. Non, 2000. 2000. Non, 2000. Ah ouais. Ouais. 2000. 2K. Okay. Voilà. 11e, du coup. 11, donc 11 de 2750, comme je vous ai dit. Et puis 25, du coup, lui, je vais vous dire. Attends. Ah, 2000.
3750. Ok. 3750 pour 15. 3750. Ok. Ça, c'est le top. Ok. Après, si vous voulez, je peux vous donner. Que, en fait, les chiffres que je vous ai donnés, il faut multiplier ça par 250 et vous avez le montant qui vous coûte. Okay. Parce que les petites carrosseries. Ouais, continuez, je vais leur mettre les chiffres dans la gueule. Ok, donc alors, l'agent 01. 01. Non, là, je suis au 8. 8 passages. Ah, 8 passages. C'est 88. Ah, d'accord, ok. Alors, 8 passages, j'ai qui ? Il y a 88 avec 8 passages. Et 8 passages, normalement, de tête, là, ça fait 2000. Ouais, c'est ça. 8 par 250. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Attends, là. Il y a 59 aussi. Non, 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 du coup, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, c'est 2000, c'est ça, les 10 passages. Les 10 passages, c'est 2500, alors c'est... Non. Ah, vous me dites 2000 pour 10 passages de 32,07, et là, vous me dites que l'autre, il a fait 8 passages, mais il m'a coûté 2000. Ah, c'est qu'il y avait le moteur avec et tout. Non, une bêtise, autant pour moi. Le numéro 7, c'est 2500. Et c'est bien ça. Voilà, c'est ça, tout à fait. On s'est, c'est qu'on s'est pas compris tout à l'heure. 2500. Prends le temps. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est pas compris. Ah, moi, les chiffres, quand ça touche mon portefeuille, je suis précis. Hein, j'ai soif, alors. Faut pas être pressé, faut pas être pressé. Ouais, jus d'orange. Parce que là, en plus, on parle pognon, c'est pas des petits hommes, donc faut faire gaffe. Là, c'est. Oh, fou. Tu vas pas me faire mettre la clé sous la porte, Nikos. Ah, c'est bon, c'est le 9ème, 59, il a fait combien? 2250. Combien? 2250. Ouais, là on est d'accord. Mmh, c'est plus logique, oui. Oui, ça correspond. Ok. Là, on est 53, c'est moi. J'ai coûté combien? 1750. Ok. Et en dessous, ça sert à rien, on s'en fout. C'est, okay. c'est moi la référence. Ouais, vous avez raison. Putain, la semaine prochaine, ils doivent faire moins que moi. Je suis super, quoi. 13, vous avez fait 5 fois. Ouais, mais ça va être honnête. Et 3 fois. Après, j'ai fait 3 fois parce que. Non, 2 fois pour les... Ouais, ouais. Bah, ouais, et un pneu. Ouais, mais ça, c'est canal. Ça, c'est 98, ça. On peut vous donner les stats aussi. On a les statistiques de par jour. Combien de voitures sont au garage, si jamais ça vous intéresse. Ouais, non, c'est rage dans la semaine, parce que sinon... C'est pas les nombres de voitures, c'est le nombre de répas. Oui, nombre de répas, oui, pardon. Après, pour parler sous, cette semaine, nous avons mis 77 véhicules en fourrière. Ok. Vous avez compté, là, dans les trucs ou... Non, dans la somme, dans... Ma somme totale, c'est pas fini, non, en fait. Ça n'a pas été mis dans la somme totale. Ah, mettez, là, vous avez mis une fausse douloureuse, là. Dites-la à moi. C'est 50, hein, patron. 52, là, ouais. Tu rajoutes 3850 au montant, Nicolas. Eh ben, ça y est, on a une voiture. 3850. Ben, dit 41, je sais combien, il faut le faire. 41250. On a une voiture tout pile, quoi. Plus 41 250. 3000 combien, tu as dit, vas-y, patron. Attends, parce que j'ai tout coupé, du coup. Ah, j'ai des gros 3800. 3800, ouais. C'est pas un total de 45050. C'est la voiture, quoi. Ah. Excusez-moi, mais... Ah, ça va chier. Il me coûte une bagnole entière. Non, mais c'est des... Ah, je mange. Vous allez voir, j'ai une punition rien que pour eux. C'est vrai? Ouais. Si vous voyez une Asbo police là, traîner autour, là, c'est le mec qui était puni, là. Ah, d'accord. Ouais. Oh, après, bon... Vos hommes, ils doivent... Ah, je l'ai commandé, elle est prête, elle arrive cette nuit. Hein. Oh. Je vous le dis. Hein. Ah ouais, ça va les calmer. Bon, c'est de la bonne voiture, hein, ça roule bien. Hein. Ouais, pour aller mettre les PV sur les deux stationnements. Ouais. Ouais, elle est bien. Ouais. Donc, du coup, c'est avec lui qu'on sera le plus en contact pour qu'il nous appelle pour le dépannage. Ah, je sais pas. Non, je sais pas. Allez, je reviens. Bon, on est tout bon. D'ailleurs, vous m'aviez dit en début de semaine que potentiellement on ne continuerait pas le dépannage. Je voudrais savoir s'il serait possible de continuer, parce que je vous cache pas que, moi, de mon point de vue, ça permet d'aérer un peu mes gars. Ça évite qu'on se voit tout le temps 10, bah là, 12 ici. Actuellement, la fourrière, elle est plus en grève.
Mais par contre, on aura besoin de vous pour amener des véhicules au poste de police pour des prévenus. D'accord. Ok. Ah, ça, okay. Vous pouvez me le facturer 100$ au lieu de 50. Ok. Ok. Parce que même moi, je voudrais trouver un juste milieu. Je voudrais pas vous faire dépenser trop d'argent pour les dépannages. Ouais, ouais, non, là, ça sera justement beaucoup moins souvent. En tout cas, pour le moment. Peut-être qu'après, quand les gens commenceront à avoir plein de bagnoles et tout le tralala, ça va être autre chose. Mais pour le moment, ouais, là, du coup, la fourrière, elles font plus grève. Du coup, nous, on peut appeler directement la fourrière et ils l'emmènent. Moi, je vous cache pas que... Mais on le fait que pour les bagnoles volées ou les trucs comme ça, quoi. Les stationnements gênants, quoi. Après, pour les véhicules des prévenus qu'on prend et qu'on emmène, qui est le prévenu et propriétaire du véhicule, on vous fait appel à vous pour emmener le véhicule au PDP, au central, quoi, pendant que la personne est là-bas, et savoir si on lui confisque ou pas. Ça, après, ça dépendra du prévenu, quoi. Parce que bah, moi, j'aime bien envoyer mes gars quand on est un petit peu trop nombreux ici, les envoyer faire d'autres activités pour les changer un petit peu. Wow. Et j'ai remarqué que c'était quelque chose qui plaisait quand même pas mal de se promener en ville pour un petit peu traquer les véhicules abandonnés, les véhicules qui gênent la route. Bah, ça, vous faites, hein, écoutez, vous emmenez la fourrière. Faudrait peut-être vous. Attendez, je réfléchis, mais. Ouais, je vois pas de problème à faire ça. Hein. Moi, parce je vois que... pas forcément. Pour les stationnements gênants et trucs comme ça, ouais, allez-y. Et facturez-les-moi, quoi. Mais à bon, 50$, cela. Oui, moi, je me dis que si on reste sur une base de 50$, on voit. Hein, ça là, fait moins quand, balles, quand on ça fait appel à vous, me faites facturer à 100$. Ok, ça marche. Vous êtes en free, tranquille, en ville pour prendre les bagnoles. Mais si nous, on fait appel à vous, ouais, vous facturez 100$ pour l'emmener au PDP. Quoi. Ok, ça me va. Ouais. Ah bah, c'est top. Bon, voilà, dessus on est bon. Je vais appeler Baker. Et va faire un 10. Ah bah c'est bon. Qu'on fasse un 19 général. Ah, 10-19 général. Ça te traite à toutes les unités 10-19 général. Dis, le commissaire est pas content. Non. Bon, merci monsieur Wood. Eh ben, unités, facture là. Ouais, je te laisse faire la facture, Niklos. Oui, fais attention. C'est toi qui as le chiffre. Bien, commissaire. Hein. Je ne tombe pas. Commissaire Sun, ouais. Commissaire. Comme ça, nous allons pouvoir redémarrer l'ordinateur. Vous êtes sur le contrôle ? Au moins, pour la semaine prochaine, on sera tout bon. 45 000. D'ailleurs, je vais mettre le message tout de suite dans LSPD. Et là, à partir de maintenant, il faut me reset les stats pour la semaine prochaine. Oui. Ah, mais en plus, il est quasiment minuit, donc ça sera très bien. Ça va être à partir du 22. Voilà. C'est parfait. Je pense que c'est même le top qu'on se voit plus à cette heure-là. Je pense. Ouais. On va tranquille. Je suis un boomer, moi. Ouais, très bien. Soit le vendredi, on verra. Ouais. N'importe quand le vendredi, quoi. Quand vous êtes dispo ou quoi, et si vous n'êtes pas là, je peux faire un peu. Ouais. Voilà, moi, par rapport, par rapport à vous envoyez la facture comme ça, beaucoup plus simple. Ah, ouais, j'ai rien reçu. Ah. Il a reçu à ma place. C'est toi qui l'as reçu, Woody ? Bah non, la facture, c'était. J'ai rien. Non, j'ai pas. Oui, Kruger, vous êtes disponible ou vous êtes toujours. Il y a une banque là, pas loin d'ici ou quoi? La plus proche, ça va être place des cubes. C'est parce qu'on fait à 10-19 ouais, pour les. Bah, venez avec moi. Et pour les véhicules, je pense que vous pouvez rester. Allez, ça marche. Vous êtes pas garanti la facture parce que là, en fait, je vois pas les gens. Ah, bah, ça marche. On vous suit avec mon véhicule. Bon, passe. Ouais, le commissaire est là, mais c'était pas. Il veut mettre les poils sur les i, comme il dit. Yeah, c'est exactement ça. Allez. Je reviens. Là, vous êtes. Vous partez en voiture là. Je vais à la banque et je reviens. Ici. Ah, d'accord. Il m'a pas donné. Ouais, je reste avec vous. Ouais, non, je crois que vous avez un total de 5 réparations. Oui. Ouais, c'est très bien, oui. Salle de dispatch, oui. Ouais, pour toute la semaine, ouais. Ouais, mais moi aussi, j'avais 5. Je crois que vous avez 6, pardon. Moi, j'avais 5. Je peux vous dire, c'est à qui que vous parlez, 13 0 et. 0 1 0 1. 4. 4. 4 réparations 4, 0 1. Oui, c'est 4. Vous avez 4 réparations 0 et. Ouais.
Oui, j'ai gagné parce que vous étiez devant le commissaire. Celui qui a le moins de réparation, c'est 15. Là, c'est 15 qui a le moins de réparation. 1. Ouais, je passe. Avec 42, surtout qu'il y a 42 rien, aussi. Ouais. Ouais, surtout, ouais, je sais pas s'il boit le rien. Mais il y a 42 aussi. 42 qui a 1 aussi. Ouais, ouais, d'accord. D'accord. Ça se passe bien, votre... Ah oui, d'accord. Oui. Ah bah, amusez-vous bien. À plus tard. Hein. Bah, si je peux nous donner mon avis sur vos tenues d'hiver. Vous pouvez tenir mon avis, bah, je connais déjà votre avis, vous inquiétez pas. Eh, c'est moche. Je sais bien que c'est moche. J'entends bien, c'est pas celle-là qu'on va avoir. C'est pas celle-là qu'on va avoir. C'est très très moche. Non, non, je vous dis, c'est que j'ai été dans le vestiaire et puis je retrouvais plus mes vêtements. Du coup, j'ai été obligé de prendre ça. Voilà. C'est Ibonne. C'est Ibonne. Qui a eu le. D'accord. Ah, moi, je participe pas. Toutes les unités, quand vous êtes en dispatch, vous commencez à serrer les fesses. J'aimerais bien être une petite souris quand même pour aller voir ce que va vous dire le commissaire. Je vous avoue que ça m'intéresse. Ouais, le commissaire il est un petit peu remonté là. À mon avis, je pense qu'il y en a, ils vont se prendre des soufflantes. Hein. Pourquoi? Parce que ça, ouais. Oui, ça me fait essayer. Ouais, pour les véhicules. Après, c'est le travail, hein. C'est ce qu'il faut, oui, dire aussi. Hein. Mais c'est bien de les monter un peu dans le stress. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas entendu 10-4. Il faut bien s'amuser quand t'es capitaine. Bah ouais. Bah nous là, on a mis un petit défi là. Du coup, faut qu'ils trouvent la nouvelle tenue. Puis ils gagneront 1000 dollars celui qui pour la nouvelle. Oh, c'est bien. Ah, c'est ce qu'il faut. Ouais, bah vous gagnerez pas 1000 dollars. Hein. Non, moi je ne participe pas du coup, vu que je suis le bras droit. Ah oui, d'accord. Ça dit sans participer. Ah oui. Ouais. Pas vous qui l'avez fait cette tenue quand même. Si, c'est moi. si, justement. Alors, je vais sortir les menottes. Non, s'il vous plaît. Je vais vous arrêter pour. Pour mauvais goût, ouais. Pour un délit de mauvais goût, ouais. Ouais, ouais, le haut, ça va, je trouve, c'est plus le bas, quoi. Ah, ouais, le bas, il y a quelque chose, oui. Le bas, il y a un problème, quoi. C'est clair que là, bon. Mais non, mais c'était un peu l'euphorie, hein. On était dit, vas-y, on part sur du bleu, allez, c'est parti, et puis voilà, c'est parti là-dessus. Ouais, bah ouais, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que vous avez au genou? Je sais pas trop. J'ai tenu une moto. J'ai tenu une moto. C'est repas les couilles. Non, ça va, ça va. Ah. Et faut que je retourne acheter les vêtements de travail parce que là, j'ai décidé de rester là. Oui, Nala. C'est pas que vous avez l'air ridicule, mais vous avez l'air covette, Mako. Ouais, c'est ça, vous avez tout compris. Je vais me changer, bon. Je reviens. Ouais, pas de soucis. Pour une réparation, si ça se passe mal. Avec le plus grand des plaisirs, messieurs. Bon, ça, allez, passez une bonne soirée. Si, monsieur le commissaire. Et au revoir. C'est quand vous êtes chiotose. Eh ben, c'est un beau petit chiffre, ça. Ouais, je suis parti me changer parce que je me suis fait charrier avec mes vêtements. Là. Alors, clôturation de la semaine LSPD le 21. 22 à 23h59. Cac. Qu'est-ce que j'aimerais être une petite souris pour aller au commissariat, hein. Pour aller voir comment il va les monter le motel. 45 000 balles. Ah ouais, ouais. Pour 165 kits plus quasiment, mais il y a 3000. 122. 122 kits. Ouais. Ah bah non. Ah bah non. Non, pas 122. Pas 122, parce non, qu'il y en a qui, oui. Oui, non, 165. Y en a qui sont oui. Double ou triple. Oui, non, 165, mais oui, non. Bref. Ça s'est compté, dans l'autre côté, c'était compté normalement. Ils nous ont remboursé une voiture. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Puis comme ça, je suis content parce que là, au moins, j'ai le montant de la prime que j'ai à distribuer. Bon, je ne cache pas que
Bon, je vous le dis, hein. Là, pour la semaine, pour la première prime, je vais devoir partager entre nous tous une prime de 30 000 dollars. Donc, ça fait pas beaucoup, mais ça représente... On est combien Vous êtes 15 ou 16. Ça va faire quasiment du 1500, presque 2000. 2000. Ouais, 2000, à peu près. Bon, ça met un petit peu de beurre dans les épinards, quoi, pour une première semaine. Bah, de toute façon, tant qu'on n'a pas les peintures, les custos, ouais. les pièces importées... Parce que ça ferait un montant plus gros si j'avais gardé le fer, pour vous payer le fer en prime. Et je pense que si c'est ce que j'ai un petit peu des égos, que la prime n'est pas assez grosse, je paierai le fer au moment de la prime. Pour justement gonfler un petit peu le truc et donner une sensation un petit peu de... Tu gagnes un peu plus de pognon d'un coup, quoi. Non, en fait, en parlant de fer, tu ne vois... Plus de 700 balles ou pas? Alors, si je dois aller retirer. 472, donc 500 balles, je te donne. Niklaus, tac. Paf. Patron. D'ailleurs, des sous sur mon. Oh putain, faut que je passe au bout café. Oh ouais, faut, j'y vais tout. Qui est-ce que tu veux venir avec moi? Vas-y, viens. Ouais, ils sont. Ils sont allés faire une commande Ils sont allés. Ils sont partis au haut, On va attendre qu'ils reviennent. Ok. On va pas laisser Hugo tout seul. Ouais. Bon, ça va, y'a personne. T'as préparé une tenue, Hugo, ou pas, du coup? Ouais, je peux la montrer si vous voulez. Vas-y. Ah bah vas-y, ouais, carrément. On fait un petit défilé. Bon, ce sera demain le choix, je pense, parce que ce soir, c'est mort. Ouais, je suis désolé, hein. C'était même pas prévu, moi, que je doive rester à regarder ma série, là. Mais on m'a demandé un coup de main. Hein. Ouais, bah vous inquiétez pas, au boulot. Au final, demain, plutôt que de picoler à partir de 21h, on picolera un peu plus tard. Bah moi, de toute façon, mon avis, je suis pas là avant 22h30. Hein, t'as écrit quelque part le nouveau truc qu'il va y avoir pour les mises en fourrure, l'accompagnement des véhicules au PDP? Non, je vais le faire. Parce que sinon, c'est pas ça, là. C'est pas ça, rassure-moi, parce que... On se fout de ma tenue, mais c'est pas mieux. C'est le... Ah oui, si, moi, je l'avais vu, là. Ouais, rouge et noir, j'aime bien. Ça fait pro, ça c'est cool. Ouais, ça c'est plus pro, ouais. Ça fait pro, ça fait un petit peu tuning aussi, même si c'est un ouais, petit peu. Ouais, alors tu sais, alors le bas je dirais ouais, mais le haut tu vois. Fait... Le haut c'était pour les poches, hein, c'était pas pour le. Ouais, c'est pour les poches. Ouais. Après, moi je dis, tu vois, faudrait plus une tenue. Un petit pull à col roulé quand même. Tu te souviens quand on a été à Los Angeles dernièrement là. Ouais. Tu sais comment il s'habille dans le garage à Los Angeles, tu vois. Ah, en rose là, ouais. Pas rose, mais dans le même principe. Dans le même principe, mais pas rose, tu vois. Ouais, j'aime bien, mais j'aime bien comme ça aussi. Ça fait sobre et à la fois ça fait classe, quoi. Ouais, mais faut faire voir qu'on va faire du tuning, tu vois. Faut qu'on soit. Oui, je suis d'accord. Mais bien sûr, c'est pas ma tenue de tuning, hein, ça c'est sûr. Ah, y a quelqu'un qui arrive. Ouais. Eh bien le bonjour messieurs, bienvenue au Toz Garage. Qu'est-ce que je peux faire pour vous messieurs? Une réparation, s'il vous plaît. Une réparation, ouais, oh, tiens, on regarde. La vitre derrière, elle est cassée. Ah oui, en effet. Oh, ça va, on a en stock de ce modèle. Ah. Oh. Est-ce que vous voulez qu'on vous regarde quand même les niveaux d'huile, voir si le moteur il est bien, tout ça? Non, il va bien le moteur, regardez, il fait ronron. Ouais. Ouais, mais est-ce que vous voulez que je m'en assure? Parce que des fois, il fait ronron, mais ça sifflote un peu, quoi. Ah oh, non, ça va aller, oui. Non, ok, bon. Je regarde juste pour la carrosserie, hein. Tac, tac, tac. Tu vois, faut toujours demander aux clients s'ils veulent qu'on regarde le moteur ou s'ils veulent juste qu'on change les pièces. Dans tous les cas, si jamais le client il dit qu'il veut pas, que tu touches au moteur, tu touches pas au moteur, ça c'est pas un problème. Puis s'il tombe en panne, ils nous appelleront et puis ça coûtera juste plus cher en frais de dépannage. Combien le frais de dépannage du coup? C'est 100 dollars qu'il nous a dit. Mais si une personne nous appelle pour venir remorquer sa bagnole, c'est 100 dollars aussi. Ok. Frais de dépannage, 100 dollars. Ok. Comme ça, au moins c'est simple pour tout le monde. Attends, je reviens.
Écoutez les copains, on s'arrête là pour ce soir. C'était super, c'était intéressant, on a bien rigolé. Moi j'attendais vraiment quoi et. Et du coup ça s'est bien passé. Du coup on a eu un bon petit chiffre, hein, 42 500 par les mètres, ce sera un peu moins, mais pas mal. Du coup écoutez, je vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne soirée. Et à demain, pas demain, je vous dis à dimanche du coup, parce que demain je sera 22h, sera 30h pour ça. Et sinon, du coup, à dimanche, bonne nuit à tous, bonne soirée, ça va suffire. Et bisous à tout le monde. Je suis seul comme un gland, le retrouver, j'y pense plus vraiment. Le Boéra, un jour, m'est apparu. Il m'a parlé et tout de suite j'ai su. Il est parti vers un monde meilleur en emportant un morceau de mon cœur. Jamais je ne pourrai l'oublier. Il m'a fait rire, m'a fait boire, m'a fait pleurer. Mes jours sont construits au rythme des remords, même si je sais qu'en fait il n'est pas mort. Un jour peut-être on sera réunis et je pourrai enfin partager sa vie. Et quand vient le soir que je suis seul dans le noir.